1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Et bonsoir à tous, euh, bonsoir les naufragés, bonsoir euh, les gens qui euh, ne nous connaissent pas et qui vont découvrir une superbe émission qui tente de revenir tous les 15 jours, bon là, euh, toutes les trois semaines, euh, sur l'actualité des simula simulateurs de meurtre Noscope, euh, l'émission de Naufrag, que vous adorez tous chaque, euh, chaque quinzaine de jours, euh, des millions de spectateurs à travers le monde, partout, partout dans le monde et peut-être même ailleurs. Euh, ce soir, comme d'hab, on va vous parler donc euh, de ce qui s'est passé dans les simulateurs de meurtre, euh, tuer, tué, tuer, tuer, ces 15 derniers jours, trois semaines, notamment War, euh, Modern Warfare 3, Robocop, Rogue Robo Quest, The Invisible et tout un tas d'autres jeux. Et pour m'accompagner dans cette euh, magnifique soirée qui s'annonce, euh, nous avons d'abord Estia qui s'occupera aussi de la régie. Comment tu vas, Estia bien, Écoute, euh, je me remets euh, difficilement d'un euh, gros rhume. Qui m'a accompagné sur tout mon test de Modern Warfare 3. Les, les naufragés qui m'ont accompagné sur, sur, sur les parties peuvent en témoigner. Mais ça va mieux. Donc euh, voilà. J'essaierai de me muter quand je tousse. Euh je m'excuse d'avance si, euh, si j'en oublie. N'hésitez pas à râler dans les commentaires si jamais vous trouvez ça hyper <laughs> relou euh, d'entendre Estias moucher et tousser euh, toutes, les, toutes les 30 secondes. Un rhume que tu as d'ailleurs refilé euh, à d'autres personnes, je crois, dans la rédaction. Euh, Loulou, tu t'es un petit peu enrhumé aussi. Hein ouais, pareil, ben, bonsoir à tous. Oui, également aussi un peu enrhumé, mais ça va aller, merci. Et je crois que Matt Mouat, et a aussi un petit, un petit problème de santé, je crois aussi. Enfin, les dents déjà elles vont mieux. On est d'accord euh, Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous. Bah oui, on est tous malades. On dirait qu'on a tous euh, fait des choses ensemble. Mais non. Ouais. Un peu. Non. Ce, qui se passe, ce qui se passe dans la rédaction reste dans la rédaction, Mathmat, on J'espère que vous allez tous euh, mieux que nous, on va dire. On espère, on vous le souhaite. Et toi, Shuka, est-ce que tu es malade aussi ou tu as réussi à éviter euh, le virus euh, d'Estia moi ça fait un mois que je suis malade, hein, donc je vais te dire... Hein. Oh là là, peut-être le passant zéro. <laughs> Mes enfants sont sous antibio, tout est normal. Ok, super, et ben, bienvenue dans l'hiver. Hein. Voilà, ça y est, c'est fini le réchauffement climatique. On, on met les pieds dans l'hiver avec un bon gros rhume, une montagne de mouchoirs derrière moi, euh, puisque je n'arrête pas de me moucher aussi également. Estia m'a refilé son rhume aussi. On reste avec toi, Estia, et on enchaîne tout oui. de suite donc, avec euh, les petites news en vrac. Et tu vas nous parler, euh, tu vas nous donner des nouvelles de 83 FPS que pas mal de gens attendaient euh, dans la communauté Nofra, qui a été plus ou moins annulée. Mais en fait, on ne sait pas, mais peut-être que non. Ouais, euh, Oui, bah, en fait, non, on sait que maintenant, c'est plus annulé, puisque ça a été repris effectivement par euh, le studio Blue Dot Games. Euh, c'est juste que ce qu'on ne savait pas, c'est euh, qui étaient ces gens-là et, euh, et voilà, et je vais, euh, je vais vous repartager la vidéo que je vous avais montrée à la fois, je crois. Euh, si ça marche, est-ce que ça fonctionne Non, évidemment. Ça marche pas du tout, ça marche. C'est pas grave, dites-moi. Non, Dites c'est ce, un fond noir. Alors, à, à moi, moins hein, que ça je consiste à un, à un fond noir. Mais, ouais, a priori, ils viennent, ils viennent de reprendre le développement. C'est normal, c'est rien à montrer. Donc, on vous montre un écran noir. C'est une espèce de ouais. mise en abîme, un petit peu de. Ouais, une mise en abîme. Bah, effectivement. Euh, ouais. Mais je vais, je vais régler ça normalement. Et voilà, normalement, c'est déjà euh, résolu. Exactement. Donc, très, <coughs> bien, très bien. Qu'est-ce qui se passe euh, donc avec 83 C'est que euh, les précisions euh, qu'on n'avait pas eues au début c'est que euh, il y a eu une petite interview sur euh, PC Gamer euh, de euh, Tony Gilliam qui est le fondateur de Blue Dot Point euh, qui est donc le nouveau studio là, qui reprend le qui reprend le jeu et euh, en fait ce mec là il a contacté les anciens euh, d'Antimatter Games qui à l'origine développaient 83 et aussi Aja euh, Origins euh, au moment où justement il a appris que Antimatter Games euh, a été, euh, avait été fermé donc c'était euh, en avril je crois euh, il a essayé de trouver un accord en fait, avec euh, le grou groupe financier qui possédait les droits pour récupérer donc, euh, 83. Et euh, pour ça, il, bah, il s'est appuyé sur des gens qui travaillaient encore chez Antimatter euh, euh, juste avant la fermeture. Et donc, euh, on sait qu'il y a des négociations en cours, mais ça a l'air d'être plutôt en bonne voie. Et, euh, et aussi qu'il euh, était en négociation pour recruter des gens qui étaient euh, des personnages clés du développement de 83 avant qu'ils soient abandonnés. Enfin, en tout cas, mis en pause euh, en 2022 déjà, puisque pour rappel, donc il envisageait déjà de, de recruter, ouais. des, de débaucher des gens du coup. Euh, Exactement. c'est ouais. okay. ça. En fait, euh, ouais. Et par contre, euh, donc c'était bien stoppé depuis plus d'un an le, le développement, et il repart de la version euh, pré-alpha. Il faudra peaufiner enfin aff affiner plutôt. Ah oui. Euh, pour trouver le fun. <laughs> c'est vraiment le terme hein, pour ah, trouver le fun. Le nouveau truc, ouais. Et, et, et convaincre un éditeur donc pour l'instant il y a pas d'éditeur voilà donc euh, okay, c'est voilà, euh, pas tout. que du positif quoi euh... bah, c'est juste que on reprend on zéro à zéro quoi hein, quasiment donc, euh... donc voilà que il hein, était annoncé depuis deux ans je crois quelque chose comme ça oh, deux beaucoup plus que ça hein. c'est ah, ouais, ouais 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 euh, je sais plus okay. je sais plus depuis combien de temps mais ça ça fait ouais, peut-être 2019 ou 2018 un truc comme ça donc euh... okay. donc voilà Bon, plutôt des bonnes nouvelles, même si du coup euh, bah, ça veut aussi dire qu'il faudra être euh, vachement patient. Patient. Passion. Pas voilà. Ouais. Et euh, au passage, on n'a pas de nouvelles de du IGI Alors, Origins. Bah pour IGI Origins, par, ex... par contre, il... enfin Tony a dit que lui de son côté, ouais Tony, ont... notre pote, ouais Tony, notre pote Tony, <laughs> euh, il a dit que euh, bah il... il a, enfin c'est mort quoi, pour l'instant personne n'a repris le projet, donc euh, il y a aucune raison que le truc euh, survive. Et quoi. pourtant le jeu avait l'air euh, bien avancé, mmh, il presque avait carrément. Fini, place, selon euh, plein de gens et tout, ça, tout enfin, ouais. ça veut rien dire quoi. Ouais, ouais. Putain c'est dommage parce que j'avoue ouais. que moi ça me tentait euh, de, de remettre les mains dans, dans un jeu d'infiltration euh, un peu un peu hardcore, euh, mmh. un peu militaire et tout. Ça aurait été euh, ça aurait été avec plaisir, mais euh, tant pis. Euh, en parlant de d'infiltration militaire. On a eu euh, l'occasion de vous parler de Deep State, qui est un rétro FPS euh, d'infiltration développé par deux personnes, euh, bientôt trois a priori d'après ce que j'ai compris, et dont vous pouvez essayer une version euh, pré-alpha du tout tout début sur euh, itch.io. Euh, je ne sais pas si j'imagine qu'Estia va nous montrer une petite bande-annonce. Ouais, donc ça sent, euh, ça sent euh, la PlayStation. Hein, euh, on va pas se mentir. Et donc le, le, le bon rétro, euh, c'est pas dégueu euh, pour autant. Et la bande-annonce euh, montrerait pas grand-chose, mais allons-y, pourquoi pas Peut-être un aspect un peu immersi immersif sim. Du coup, j'ai décidé de tester cette euh, démo qui dure, euh, qui dure une trentaine, quarantaine de minutes, si je me souviens bien. Et euh, bon bah il y a du taf quoi. Il euh, y a du taf parce qu'en en fait l'ambiance elle est plutôt cool et tu, tu vois très bien les sources d'inspiration des, des développeurs. Euh, donc effectivement euh, Metal Gear Solid euh, dans le côté euh, compl complot de l'État pour réaliser des expériences cheloues etc sans spoiler le scénario de Metal Gear et euh, dans un monde euh, assez ouvert euh, et où du coup t'as des, des, des approches, enfin euh, tu gères toi-même ton approche etc. <coughs> C'est dans les grandes lignes. Après, si tu creuses un peu, euh, c'est quand même. Euh, L'IA est complètement nul à chier. Enfin, les mecs euh, te voient pas euh, à des centaines de mètres. Tu Surtout, tu les alignes en deux secondes. Euh, peu importe où tu tires, tu les one-shot quasiment. Donc, tu n'as pas du tout de challenge euh, là-dessus. Euh, donc, j'ai parlé de ça justement dans l'article euh, quand je, je, je parlais du jeu, dans cette petite news sur Nofrag. Et en fait, les développeurs ont vu la news. Et on nous a envoyé un mail pour nous dire, bah, c'est super cool d'avoir écrit un article sur sur Deep State. On est euh, hyper, euh, on est conscient de, on est conscient des défauts. Je crois qu'il y a, j'avais mis la réponse dans les commentaires. Bah, ils nous ont dit, c'est une évaluation très juste. Nous sommes plutôt satisfaits des visuels et de l'atmosphère, mais le gameplay a encore un long chemin à parcourir. Euh, donc euh, donc voilà, pour l'instant, c'est clair que c'est pas pas très intéressant, encore une fois, ils sont deux et c'est une version ultra ultra alpha. Mais euh, un FPS d'infiltration un peu rétro inspiré de Metal Gear et Deus Ex. Euh, perso, euh, mmh. moi ça me chauffe pas mal. Il ouais, n'y a pas, pas. a pas de date de sortie, euh, et puis je pense qu'ils sont euh, ils ont encore pas mal de temps euh, devant eux pour sortir quelque chose de cool. Mais euh, ah, souhaitons-leur. Bon, ouais. souhaitons euh, Bon courage, euh, un petit voilà, un petit un petit jeu un petit jeu indé rétro euh, d'infiltration, euh, c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on veut, euh, tout ce qu'on aime et tout ce qu'on veut aussi, Matmoit, c'est un ami fidèle, un ami fidèle euh, qui sait nous soutenir quand des fois ça va pas bien ou euh, nous sortir dehors prendre l'air etc. Comme un chien par exemple. Bah ouais déjà c'est ça c'est super important, mais euh, encore faut-il euh, le retrouver. Puisque oui, mais là, on il s'agit euh, de Rotten Flesh, le prochain jeu euh, du studio euh, <coughs> qui avait fait euh, The Voidness, donc euh, Steel Krill, euh, The Voidness que j'avais pu tester en avril, euh, qui n'avait pas trop. Euh, C'était quand même assez bof, euh, même s'il euh, y, y avait deux, de, de, trois choses intér intéressantes dedans. Euh, bah non, on ne voit pas grand chose. Hein, on sait simplement qu'il travaille sur un jeu où euh, la particularité euh, sera de. De, de gueuler après son chien parce qu'on l'a perdu et euh, par l'intermédiaire du micro donc on va devoir appeler son chien euh, qui ça va il va s'appeler Roy et non Yuki ou Rex ou euh, euh, je ne sais quoi on aurait dû pouvoir choisir le nom du chien bah ouais, ouais. Ça, ça aurait été drôle Yuki tu vois euh, donc euh, avec euh, ou pour effet, euh, les punks à Yuki, chiens Keta Keta Yuki, Yuki. Bon, bon bref et euh, non non donc là la particularité ça va être de de, de, de chercher après euh, après après notre chien euh, dans un salaire assez sombre des couloirs, des égouts, je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce euh... qu'il est allait plus euh... le chien encore, putain Ouais, voilà, c'est ça. Là. Donc, euh, bah, déjà, probablement en laisse, ça n'arrivera pas. Et, euh... <laughs> et, et, et deuxièmement, bah, on... la particularité, justement, c'est puisqu'on va utiliser le micro euh, pour, euh, pour appeler le chien, il y aura aussi euh, certainement des petits méchants monstres. Euh, qui vont aussi entendre de notre voix. Bruit. Ah là là. Donc ouais, voilà. Ouais. Donc, euh, donc, ils essaient de surfer sur des trucs assez originaux euh, en termes d'idées comme ça. Je ne sais pas si ça prendra. Pourquoi pas avoir. Euh, bah, On a déjà eu un jeu comme ça qui. Un jeu peut-être multi, même samedi, un truc, une vidéo peut-être dans le chat, ils vont retrouver. Un truc comme ça basé sur les. Sur le, sur, le, sur le vocal, comme ça, sur des ennemis qui pouvaient capter si tu parlais trop fort, etc. Un, bah, un moi, j'avais testé un jeu, euh... Euh, un jeu en PvP euh, qui s'appelait In Silence. Euh, C'était justement, tu avais quatre personnes qui devaient euh, euh, reconstruire je ne sais plus quoi ou justement euh, s'évader en fait, d'une map et tu avais euh, le monstre qui était là euh, en vue FPS aussi, hein, bien sûr, euh, et il était sensible au bruit. Donc en fait. Okay, euh, ouais. Et il entendait justement les, les conversations des, des, des joueurs et c'était drôle. Et plus on parlait, plus sa vue, euh, s'améliorait parce que ouais, le monstre ne voyait rien de base. Et, euh, et plus il entendait des bruits, plus sa vue euh, s'éclaircissait. Et, ouais, et voilà. Donc bon, après, euh, après avoir, je pense que ça sera quand même une aventure comme The Voidness. Euh, ça fera un truc qui va durer peut-être 3-4 heures et euh, on ne sait pas. Hein, mais, euh, mais ça a l'air d'être le, le, okay. le, le délire des studios. Eh ben, on souhaite bon courage en tout cas à ceux qui vivent pas seuls, euh, donc que ce soit conjoint, conjointe ou voisins pour ceux qui vivent dans ouais, les et Surtout les voisins, j'imagine. Ah, C'est ça, c'est ça. Donc on si vous trouvez Roy, envoyez-nous un mail. <laughs> euh, envoyez un mail à euh, naufrag... C'est quoi notre adresse du coup maintenant Contact déjà, à naufrag.com, plus... toujours. Il euh, faut qu'on voit ça après, Mais oui, oui. <laughs> Les détails. Après l'émission, on vous propose un making-of de ce que c'est le travail dans la rédac de Naufrag. Mais avant ça, euh, Loulou, tu vas nous parler euh, de papier aussi, enfin de carton, je crois, de, de, de papier cartonné. Effectivement, oui. Ouais, ouais ben bah là, on, va, on reste toujours dans l'enregistre de l'horreur, mais sauf que là, on parle de, de Fast FPS avec Paperhead, en fait. Voilà, C'est un, un, un jeu sympa, euh, dont on n'a enfin, pas eu une nouvelle pas. depuis 2019, et qui, on, on suppose, dont euh, on n'a pas eu une nouvelle depuis 2019. Donc là, ils sont un petit peu sortis des bois, et ils ont proposé, en fait, une démo, justement, sur la plateforme Itch.io pour qu'on puisse voilà, découvrir un petit peu euh, va dire le, le concept bon voilà bon, en gros on, on incarne un personnage qui est dans un dans un centre de recherche secret il devra en fait euh, on va dire massacrer à l'appel des, des monstres en, en papier cartonné qui ont en fait euh, euh, ce, 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 ce détail suivant qui qui en fait qu'ils ont la capacité de saigner et donc c'est c'est donc ça qui est un peu l'intérêt de l'implique, c'est de comprendre pourquoi ces, ces créatures peuvent saigner voilà donc euh, de, de ce qu'on en voit dans le gameplay bon on peut utiliser un crayon voilà pour créer va dire des bombes ou des portes afin, et on peut aussi gamotiser un fusil à pompe qui semble avoir beaucoup de patates et aussi utiliser aussi le fameux coup de pied qui permet de projeter aussi bien les objets de l'environnement que les, les ennemis eux-mêmes pour les, pour les envoyer euh, valdinguer, euh, Val on va dire, contre les murs. Voilà. Donc si okay. ça vous intéresse, pour euh, Itch.io, voilà. Ça a l'air pas quand même. Ouais, ouais, c'est pas, pas trop Ça a l'air sympa. Je trouve, je trouve a pas mal est, ça a été annoncé en 2019 donc je sais pas trop ce qu'ils ont foutu euh, depuis, mais euh... ah, ils avaient plus d'encre ou ils n'avaient pas de crayon peut-être. Yeah, yes. ouais. Très belle, euh, très belle euh, reprise de volée, euh, Matwat. <laughs> euh, en revanche, là où on ne s'est pas du tout illustré euh, tous à la rédaction, c'est sur The Talos Principal 2. <laughs> Euh, en fait on, a, on avait très envie de vous faire un test de Talos Principal 2 donc le jeu d'énigmes des développeurs de Sirius Sam la suite du coup qui était sorti 2018 quelque chose comme ça ou même maintenant encore avant bref euh, en fait on a fait passer un test de cul à toute la rédac euh, pour savoir qui était le plus apte et le plus intelligent pour, euh, pour jouer à The Talos Principal 2 avec ces énigmes qui nous feront chauffer les méninges et... Personne n'a réussi le test, on a tous eu, je crois, le, le score le plus haut qu'on ait eu, c'est 62 QI. Euh, ah, du coup, c'est pas euh, du tout suffisant. On vient de recevoir un mail et apparemment, Stuka aurait peut-être un peu plus, finalement. Ah, ah très bien. Oui. Combien Tu sais combien il a euh, eu je le, crois le, que sur 81, le 3-0 ou un truc comme ça. Okay. Donc, ça reste pas, pas top, mais euh, assez pour jouer à Talos Principal 2. Donc, bah, peut-être que vous aurez un test de The Talos Principal 2, du coup. Euh... On ne vous présente plus. Il a lui, fait que je fasse euh... le test quatre fois, donc ça va prendre du temps. <laughs> donc c'est peut-être 4 fois 20, peut-être, non, les 80, je... enfin bon, bref. Euh, non, on, la, la vérité, c'est qu'on a préféré euh, tester des trucs euh, plus en rapport avec la ligne éditoriale de nos frags, des jeux tués, 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 mais que Talos Principal 2 se joue en vue FPS et que le premier était quand même assez cool, qu'on sait que c'est un jeu qui est assez attendu. Donc, on vous proposera quand même un test a priori si euh, Stuka arrive à, à résoudre les énigmes qui lui seront ça proposées. Bien noté, ouais. Euh, ouais, ouais, bah, ça ne ça, ça faisait pas trop, pas trop de doute. Euh, L'inverse de faire chauffer les méninges, c'est tuer, tuer, tuer. Et euh, Estia, tu vas justement ouais. nous parler euh, d'un super jeu de, de tactique. Oui, c'est bien ça. À fait. Un jeu tactique euh, un peu par surprise, hein, globalement. Puisque je vais vous parler de gray Zone Warfare, euh, qui a été euh, présenté euh, euh, par de nombreux, euh, nombreux youtubeurs, euh, genre par euh, enfin, des, des youtubeurs euh, spécialisés dans les FPS en général. Et donc, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de gens à s'extasier devant ce, qu ce que vous, je vous montre ici. Donc, c'est un, ouais, un jeu tactique un peu à mi-chemin entre du Tarkov et, euh, et, je sais pas moi, du. Euh, euh, bah de quoi, je sais pas un Red Note par exemple, euh, où euh, mmh. justement bah là on serait plutôt dans la jungle euh, du côté de je sais pas trop où, euh, en Thaïlande, j'en sais rien. Et, euh, et donc il euh, y a a priori un peu de survival, mais vraiment vraiment de la tactique, pas mal de tactique quoi en, en termes de, de gameplay. Euh, et voilà, et tout le monde euh, vraiment ils ont l'air de, ouais, de de se branler dessus, euh, je sais pas. Oui évidemment c'est pas moche, euh, pourquoi pas, mais pour l'instant on n'en sait vraiment rien du tout. Et, euh, et puis surtout l'équipe euh, derrière le jeu euh, alors oui ce sont des vétérans de l'industrie puisque ça fait très longtemps qu'ils développent des jeux mais des jeux sur mobile donc, euh, ah. ouais. donc euh, voilà là c'est euh, c'est je vais vous remettre c'est pas euh, c'est pas le truc qui nous fait dire que oui ce sera un jeu super bien quoi on, on sait pas. Euh, voilà, il y a de, 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 de les bonnes intentions, ça c'est sûr. Les mecs, ils savent développer, mais est-ce qu'ils savent développer sur PC On sait pas. Et voilà, euh... Après, en vrai, c'est vrai que les graphiquement, ça a quand même l'air d'avoir de la gueule. Donc Je sais pas, en fait. Maintenant, assez... c'est assez facile ton... de faire euh, des trucs. Ouais, euh... De faire des rendus. Euh... Ouais, 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 ouais. Donc euh, pourquoi pas Mais tu vois, par exemple, là, l'IA, bah, elle n'est pas là. C'est juste pour faire ouais, style. Ouais, ouais. Hein. Donc le mois dib nous dit dans le chat alerte micro transaction c'est c'est pas pas pour ça Ouais peut-être ouais. Mais ouais donc juste pour le studio en charge c'est des anciens de Touquet Chech ouais. Tech, je sais pas comment on dit. Pardon. Éternué là ou ouais. ah non pardon. non mais en gros <laughs> oui, je... ceux, ceux qui, font, qui ont monté le studio là qui développe ça et euh, qui euh, qui a fait plein de jeux mobiles euh, a encore avant avoir fait les jeux mobiles donc il y a genre il y a 20 ans ils ont bossé sur Mafia euh, le premier oui, oui, non, mais euh, sur je... Viet Kong et iden and Dangerous 2, tu vois bon pourquoi pas mais bon oui, enfin, oui. ça fait longtemps quoi Non mais après comme ouais. tu disais tant qu'on n'en enfin, qu a y pas vu euh... tant qu'on en a pas vu davantage euh... Ouais. Pas enthousiasmé. On est habitué à voir des vidéos, des fois, de trucs qui ont l'air hyper enthousiasmant et une fois euh, clavier sourire main c'est du gros caca. Ah oui. Euh, pas oui. comme une autre euh, simu militaire, enfin plus de SWAT euh, dont tu vas nous parler, euh, Stuka, et qu'on aime plutôt tous à la rédac. Et voilà, c'est une transition ratée, mais je te laisse enchaîner. <laughs> <je pense. rire> la tentative était noble. <laughs> euh... Ouais, c'est Ready or qui publie très régulièrement des dev blogs pour nous dire comment ils avancent sur le jeu parce qu'ils sont censés sortir la version 1.0 avant la fin de l'année. Donc on y croit de moins en moins. Euh, le dernier euh, était relativement intéressant parce qu'il nous parlait de la campagne solo du jeu. Euh, pour l'instant, l'élément solo du jeu, c'est comme la coop en fait. On est sur les mêmes maps et c'est juste qu'au lieu d'avoir des joueurs avec à des bots à qui on peut donner des ordres comme sur Swat 4. Euh, Là, ce, qui, ce dont ils ont discuté, c'est euh, l'aspect euh, ressources humaines, j'ai envie de dire, du, du jeu, euh, puisqu'on aura, comme sur Switch 4, on pourra choisir ses opérateurs qui sont dans son équipe et leur équipement. Euh, là, la composante qu'ils veulent implémenter en plus, c'est le fait que ces personnes pourront, euh, euh, comment dire, souffrir du stress. En plus des blessures physiques. et il y aura un élément de perma cest c'est-à-dire que quand on perd un opérateur pendant une, pendant une mission, euh, on le perd définitivement. donc euh, c'est n'est pas une mauvaise idée. la gestion du stress ça va avec euh, en fait des caractéristiques euh, morales, mentales de, de, des personnes qui sont dans l'équipe. Et, et par exemple, on pourra Influer positivement sur eux en arrêtant les gens plutôt qu'en les massacrant, si ce sont des personnes qui aiment le travail bien fait plutôt que des, euh, des psychopathes. <laughs> euh, voilà, et alors qu'à l'inverse, si, si on a tendance à être très brutaux avec, euh, avec les suspects ou les otages, euh, ces personnes-là seront plus stressées encore que, que la normale. Euh, pareil, perdre un équipier pendant une mission euh, aura un gros impact négatif sur, sur les autres équipiers de l'équipe. Donc euh, c'est une bonne idée. Euh, est-ce que ce sera bien ou est-ce que ce sera juste parfaitement inutile et on changera d'opérateur à tour de bras dès qu'il y en a un qui sera trop chiant Non c'est euh, ça. Ouais. À voir. Euh, ouais, je sais ouais, pas. Après euh, le jeu, moi je l'aime beaucoup, mais j'aime surtout la, la, la composition. Co ouais. Plus que. Le... Ouais, ouais. ouais Moi c'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce qu'en fait c'est un jeu qui va intéresser tant que ça les joueurs solo euh... Bah je sais pas parce, parce que quoi. bon. Euh... Soit 4, je pense qu'on est beaucoup à y avoir joué et c'est vrai qu'en solo, c'était sympa quand même parce que ouais, euh, le tu scénario peux, était pas mal. Tu peux ouais. avoir ce Il y a le scénar était pas mal et tu peux avoir un parfait niveau de coordination avec les bots, qui est parfois plus difficile à obtenir avec des avec ouais, les ouais. gens. Mais, ouais, mais bon, l'expérience le, 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 Ready Note quand même, c'est super bien en, en solo avec d'autres amis. C'est plus ah. chouette qu'avec qu les bots. Après, euh, on parle de la composante, bah, de, de fait qu'il soit euh, sensible au fait qu'on soit agressif ou pas. Euh, parfois, franchement, on n'a vraiment pas le choix. Euh, quand on demande à un mec de se rendre, euh, si on attend trop, bah, il, nous, il nous tue directement, en fait. Donc après, euh, à mon avis, il y aura peut-être un rééquilibrage au niveau de l'IA à faire. Euh, ah, ils, ont dit, ils ont déjà dit plusieurs fois qu'ils qu y travaillaient à ça. Parce euh, que c'est ont... super compliqué, enfin, parfois, pour... Euh... Pour demander à un ennemi de, de se coucher, et de se mettre à terre, hein, parce que parfois vraiment il comprend rien le mec. Et euh, alors après, bah je sais pas ouais, mais c'est sympa ouais, franchement sur le papier ça ça semble cool. Mais euh, mais comme vous dites euh, au moins dire non, tu m'éclates avec euh, avec les copains, avec vous quoi, c'est on s'éclate vraiment plus en coop quoi. Ou alors ça serait en mode pour découvrir les cartes etc quoi, mais euh... un tuto quoi, Mais je Ouais voilà, on peut en mode tuto. Je, je suis pas sûr de l'intérêt. Bon, après, comme, euh, comme tu l'as dit, je suis tout cas, c'est vrai que soit c'était aussi rigolo en, en solo au final. Euh, c'est pas la même ambiance, euh, tu as plus de maîtrise sur tes coéquipiers, etc. Ça peut te permettre de tester des trucs, etc. Donc, euh... donc à voir. Euh, prochaine news de Red Note, ça sera probablement l'annonce d'un report. Parce que comme <laughs> tu <le> disais, <laughs> bon, euh, sortir 1.0 avant la fin de l'année, les gars, il vous reste reste un mois et demi. Donc il va falloir charbonner. Euh, et cela dit, on leur souhaite, hein, on leur souhaite, ouais, si c'est pour sortir un jeu dans de bonnes conditions euh, avant la fin de l'année. Euh, ce sera très très bien. Euh, en revanche, un jeu qu'on euh, aurait préféré ne pas temps, ne pas avoir, euh, ne pas voir sortir ou, ou ressortir plutôt, c'est euh, Bowling Point Road to Hell. Alors je ne sais pas si ça dit quelque chose euh, aux gens dans le chat. Je pense que oui, vu la moyenne d'âge de Naufrag et de la du public Naufrague euh, Estia tu vas nous, nous rappeler peut-être un petit peu le ce magnifique ce magnifique, ce magnifique concurrent jeu. de Far Cry. Ouais, enfin, c'est vrai. C'est c'est un peu avant, non euh, Est-ce que c'était pas un euh, peu avant Un peu avant, je sais plus. Euh, on un va an avant, un an ou deux. Euh, je, je vais regarder. Si euh, ouais, 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 je que viens. Je... Et donc en fait, Bowling Point, euh, c'est oui. si, va... c'est sorti en 2005, donc un an après euh, Far Cry. Ouais. Mais non, c'est tu vois, c'est 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 euh, en monde ouvert vraiment en monde ouvert par contre alors que Far Cry n'était pas en monde ouvert ouais, ouais. Ouais. donc, euh, ouais, donc monde, euh, un monde ouvert euh, fps rpg euh, avec il euh, y' a pas de, entre guillemets il y a pas de gentil pas de méchant c'est à dire que tu as, as plusieurs factions de faction je crois et euh, bah, tu vas aller voir ils propose proposent des missions etc et du coup de facto bah, tu as, des... as des factions qui sont ennemies à celles pour laquelle tu as accepté une mission quoi et, et donc euh... donc euh, voilà sauf que c'était truffé de bug mais vraiment apparemment c'était une catastrophe ah, c'était et... archi bugué de ouf ouais. Ouais. et l'optimisation le... euh... elle était, euh, ouais, horrible. Ouais, elle était très, très très difficile et donc euh, du coup il avait été vraiment descendu par toute la critique et tout ça donc je pense qu'il avait vraiment une très très mauvaise réputation euh, bien que. Il y a eu une apparemment... énorme hype en fait, parce que pendant, oui. la, euh, pendant la promo quoi, du jeu, euh, c'était ouf de voir un jeu, comme tu disais, où tu as une carte qui était immense, tu n'avais pas, pas de chargement, c'était une, une seule et même carte. Mmh, ouais, et tu avais un côté un peu RPG avec euh, les factions, comme tu disais, etc. Donc c'était un espèce de stalker en, mode, en monde ouvert, euh, mais dans la jungle. Ouais, c'est ça. Euh, donc ça vendait, ça vendait pas mal de rêves et il a eu une grosse hype. Euh, euh, pendant toute la promo, quoi, en fait. C'est pour ça que c'est un jeu qui, rap, qui est encore euh, dans les mémoires, et, et aussi parce que quand il est sorti, c'était catastrophique, quoi. Ouais. C'était catastrophique. Et pourquoi on reparle de ce jeu alors oui voyez, voilà ça. Euh, pourquoi on en parle Et pas parce qu'en fait, euh, l'éditeur Ziggurat a récupéré les droits et euh, a décidé de republier sur Steam. C'est sorti le 14 novembre dernier. Euh, voilà, c'est juste ça, en fait. Le truc, c'est que il euh, y a a priori, il n'y a pas eu d'amélioration graphique, ce qui est un peu dommage parce que c'était vraiment très très laid. Euh, et même au niveau du gameplay, euh, je pense que ça n'a pas bougé, alors que bon, on voit que le feeling a l'air quand même un peu à chier. Euh, par contre, euh, apparemment, les bugs, il euh, n'y en avait déjà plus beaucoup parce qu'il y avait eu euh, beaucoup de patchs finalement. Mais à l'époque en 2005, c'était pas hyper répandu. De, enfin, c'était pas la même euh, la même chose que maintenant. Toi, les patchs, euh, ils arrivaient un peu plus gout. Fallait les télécharger sur le FTP de Naufrag no et tout. C'était galère. Donc, euh, ouais. donc voilà. Quoi. Et euh, donc, euh, il est sorti. Euh, J'ai même pas regardé. si ça se trouve euh, il y a des bonnes notes. J'en sais rien. Euh... Je pense pas. Non, tu penses pas. Tu penses que les notes sont mauvaises euh, euh, Non, c'est plutôt bah... positif. 75 Waouh. C'est wow. pas énorme, hein, mais bon, il euh, n'y a que 40, 40 euh, évaluations. C'est euh... mieux, mieux que plein de jeux euh, oui. qui sont mieux, je pense. Ouais. Euh, fondamentalement, mais qui se font plomber par des mecs qui n'ont pas apprécié certains trucs. quoi. Mais Voilà, du coup, okay, les gens savent bah, à quoi s'attendre, euh... en fait. Donc, euh, bientôt, un, euh... bientôt un test dans nos oh, non, 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 En non, vrai, non. ça ça pourrait être ouais. rigolo de le stream, en vrai. Oui, si, oui. Ouais, pourquoi pas, oui. Il ouais, faut le voir, oui. Et ouais, puis, ça ne coûte pas très cher. Ça coûte euh, moins de On 10 balles zim, ouais. et euh, moins de 10% euh, jusqu'à dans 46 heures. Dépêchez-vous. Euh, Dépêchez-vous. Voilà. Mm -hmm. <coughs> peut-être qu'il est, peut qu est en vente sur uh, Games Planet, notre fidèle partenaire, même Ouh, si je ne crois pas. Mais je, je vais regarder ça. Et ouais. pendant que je regarde ça, euh, peut-être que Loulou... Ouais peut nous dire, euh, nous donner davantage d'informations sur Double We, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Hein. Alors effectivement, alors Double We, c'est développé par un, un développeur indépendant. Alors le concept est assez simple, en fin de compte, voilà, vous, êtes, vous êtes un personnage qui se fait traquer par son clone. Et le but étant, bien évidemment, euh, vu, vu qu'on est dans des niveaux euh, générés procéduralement, c'est de faire en sorte de le trouver et de le tuer avant qu'il vous fasse la peau. Alors l'intérêt, bien évidemment, c'est qu'à chaque fois qu'on évolue dans les niveaux, euh, on va dire que l'IA deviendra plus intelligente donc il faudra, il faudra faire preuve de créativité pour pouvoir la, la, la trouver la traquer il y aura aussi de nouveaux dangers et également de nouveaux ennemis. Donc l'histoire en elle-même elle n'est bon, elle pas vraiment développée on va dire que on pense hein, on suppose que les c'est de comprendre pourquoi on a des clonateurs euh, à notre trousses. alors il y a un aspect solo donc ça c'est plutôt ça et après l'aspect multi où là par contre euh, bah, en tant que joueur principal vous, vous, vous incarnez on va dire... Euh, le héros et votre, et votre collègue, on va dire, va, va incarner le clone et le but, bien évidemment, bah, restera le même. C'est qu'il y en a un des deux qui meurt au final et celui qui aura atteint un score, on va dire, défini, gagnera la partie. Donc, bah, dans l'ensemble, ça, bon, ça, ça peut être marrant. Hein, ça peut être un concept assez marrant si, si on apprécie, on va dire, euh, ce, ce type de jeu. Bon, je pense que ça a peut-être plus d'intérêt, peut-être dans le mode multi, à voir, hein, voir euh, s'il y aura beaucoup de, comment dire, de possibilités de, dans la façon de tuer et si, et, si, et si, on va dire, que les environnements sont intéressants à voir. Ok, alors le nom c'est Double oui. nous demande texte. Ouais, ouais c'est clair que pour rebondir sur ce que tu disais, euh, au moins, bon, il y a un concept qu'on ne voit pas souvent. Mm. Euh, avant l'émission, je te parlais d'un jeu euh, ouais. dont j'ai déjà oublié le nom, Echo, ça mais s'appelait Echo en, en vue, euh, en vue euh, TPS. TPS le concept c'était un soit. peu ça aussi, où tu, tu joues sans solo, et en fait, tu te bats contre des IA qui apprennent de tes comportements. Donc par exemple, si tu te mets à beaucoup courir et beaucoup sauter. Dans le niveau d'après, l'IA, elle va aussi beaucoup courir et beaucoup sauter, donc ce sera plus difficile. Ouais. Si tu te mets à, à beaucoup les tuer, ils vont se mettre à beaucoup de tirer dessus, etc. Et euh, pendant que tu nous en parlais là pendant l'émission, ça m'a aussi rappelé peut-être un peu, en mmh. cherchant en cherchant un peu, euh, The Ship, le, le jeu multi où tu devais te déguiser, euh, tu avais des cibles à assassiner, c'était que du multijoueur, ouais. donc je ne sais plus à combien de joueurs ça se jouait, peut-être une dizaine Ouais, et vu, chacun devait assassiner un autre joueur et, tu, et du coup tu devais, tu devais simuler le comportement d'un NPC en gros si tu voulais pas te faire griller. Si tu te mettais ah à courir et à sauter partout, les autres joueurs captaient direct que tu étais un autre euh, joueur et du coup ils étaient méfiants, etc. Donc le, ouais. la technique c'était un peu de se comporter comme un NPC bateau, euh, ça se jouait sur un bateau d'ailleurs, euh, un NPC lambda qui, qui, qui a un comportement un peu de d'IA, quoi, un peu bébête quoi, pour et assassiner au dernier moment. Comment Ça a été repris d'ailleurs par euh, Ubisoft dans, euh, le premier, euh, dans un DLC d'Assassin's Creed, euh, ou de, pas un DLC, okay. ou un mode de jeu d'Assassin's Creed. Euh, justement, il y avait, euh, bah, je sais plus c'est le 2 ou le Brotherhood, où tu avais euh, notamment une map au, sur le Mont-Saint-Michel, où euh, tu, tu faisais, euh, c'est le principe là, tu vois. Tu, 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 le Mont-Saint-Michel, ok. Voilà, euh, tu étais... Tu trouvé... Faire semblant d'être un, un NPC. Le... Et euh, Je faire et tu Un, un mètre carré de libre au Mont Saint-Michel pendant un week-end. <laughs> et c'était euh, impossible. C'était impossible. Voilà. voilà. Euh, ok, donc c'est Dabaloui, le clone qui m'a tué, dit, dit le titre de la news. Euh, on a une date de sortie. Non, pas de date de sortie. Non, pas encore. Mais il y a déjà une. C'est encore au tout si début. Vous voulez, euh, si vous voulez suivre le jeu sur, sur Steam. Euh, on enchaîne avec. Je vais juste lire le titre parce que euh, voilà un rétro FPS dans l'univers cyberpunk Estia. Oui, euh, Beyond Sunset hein, dont tout vous a déjà parlé euh, est sorti euh, en accès anticipé il euh, y a un petit moment maintenant, enfin un petit moment non pas tant que ça mais euh, genre euh, quelques jours et euh, et on devait je devais le, je voulais streamer euh, je m'étais dit euh, que j'allais streamer je sais plus quand, la semaine dernière et en fait ça n'a pas marché. Euh, parce qu'il reconnaissait pas euh, comme c'est du GZ Doom et je sais pas il a pas reconnu ça comme un comme un jeu et euh, j'ai j'ai pas réussi à le faire fonctionner donc du coup j'étais parti sur autre chose euh, mais voilà donc euh, en vrai le jeu a l'air plutôt pas mal franchement euh, c'est peut-être pas le meilleur ah, directeur FPS Doom, euh, tu le reconnais tout de suite quoi c'est ouf ouais exactement et euh, c'est peut-être pas euh, le meilleur des FPS mais euh, je trouve que le feeling a, a l'air plutôt sympa euh, les déplacements sont très dynamiques et tout ça, donc euh, pourquoi pas. Et la musique est à base bien, donc euh, voilà. Donc euh, je, je, je testerai ça euh, sans doute. Et je j'essaie je, quand même d'en faire un stream parce que j'ai réussi à faire fonctionner depuis. J'ai bidouillé plein de trucs, mais euh, mais ouais, ouais. Donc, voilà. Une démo est disponible hein, si vous voulez la tester Oui, il y a une démo aussi, effectivement. Ouais. Et sinon, je sais plus combien ça coûte, mais c'est pas extrêmement cher. Euh, moi, entre 10 moi, et 15 moi, euros. 10 euros, je crois. Ouais, une dizaine d'euros. Voilà. Mm. Euh, ok, merci Estia. On termine ce tour des news euh, avant de parler de business et de mise à jour euh, avec Abiotic Factor, qui est un jeu dont on vous a rapidement parlé euh, euh, sur Naufrag, qui euh, dit s'inspirer euh, pour sa direction artistique de Half-Life. Et quand on voit les premières images, euh, ça paraît évident. Donc, une sorte de Half-Life 1. Donc, une sorte de rétro-FPS, mais euh, sauce euh, survival, puisque du coup, alors survival euh, dans le sens euh, je veux multijoueur où on doit survivre, pas dans le sens horreur, euh, où donc on est euh, jusqu'à, si je dis pas de bêtises, six joueurs euh, en coop dans un complexe scientifique, un peu comme dans Half-Life où il y a des expériences avec des portails, donc des créatures qui envahissent le complexe scientifique. Et les joueurs peuvent aussi euh, prendre ces portails pour aller visiter d'autres planètes. Euh, et donc euh, tout ça avec aussi des composantes euh, de, de craft, de, de ressources à récupérer, de bases à construire, euh, de, de, un petit côté RPG aussi puisqu'on a des, des compétences qui s'améliorent au fur et à mesure. Et il y a euh, de mémoire pareil une dizaine de personnages avec des aptitudes différentes. Donc en plus on peut comme ça se spécialiser euh, plus combat, plus défense, plus recherche, euh, plus nourriture. Je crois qu'il y a un chef euh, cuisinier dans le lot de personnages. Euh, le jeu a proposé une, euh, une alpha ouverte euh, jusqu'au 15 novembre, donc jusqu'à la semaine dernière, euh, enfin jusqu'à la début de cette semaine pardon. Et du coup j'ai joué euh, ouais, peut-être deux heures quelque chose comme ça et euh, bah, moi, les jeux de survie, j'en ai, ai fait quelques-uns et j'en ai un peu ras-le-bol maintenant. Du coup, ça ce qui m'a surpris, c'est que c'était... Je m'attendais en fait plus à un truc Half-Life et en fait c'est vraiment survie euh, skinnée Half-Life. Donc euh, c'est donc full farm, c'est full craft, c'est full ressources à, à récolter. Euh, bon, ça à la limite, pourquoi pas Parce que c'est marrant de voir comment ils ont transposé ça dans l'univers dhalf life euh, Ce qui m'a plus dérangé, c'est le, bon, le tout début, hein, c'est une alpha. Euh, c'est le côté où on... les objectifs sont pas très clairs quoi en fait. Donc euh, t'as as vite fait un espèce de tutoriel au début qui doit durer une vingtaine de minutes. Et après c'est bon bah, tu, dois, euh, tu dois aller là mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas par où, la map elle est immense. Euh, tu, tu vois bien qu'il y a des, des comment des chemins qui ont l'air plus intéressants que d'autres mais en fait vu qu'on t'explique rien bah tu sais pas trop pourquoi ni comment etc. Donc bon pour l'instant euh, je pense qu'ils ont un peu tout mis dans, dans le jeu et il reste un gros travail d'écarissage, je, je, je vais dire, pour, pour parler du champ lexical des carrières. Voilà, c'est la première fois sur Naufrag, 47 épisodes. Mmh. Euh, <laughs> et, et donc voilà, une, une alpha ouverte, bon, ça tourne plutôt correctement, euh, les, 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 le voice acting était cool, les mécaniques ont l'air cool, le, le gameplay, etc. Mais voilà, il y a un gros côté bordel, un petit peu fourre-tout euh, pour l'instant. Euh, ils ont prévu de faire, euh, c'était pas la première alpha ouverte, je crois. Ils ont prévu d'en faire encore plein d'autres. Il y a un questionnaire à la fin, dans lequel vous pouvez mettre tout un tas de commentaires. Euh, bon ben voilà, pour les, les amateurs de survie, je pense que ça leur plaira. Ceux qui s'attendaient comme moi à un truc qui aurait des, qui rappellerait certains points d'Alpha Life, c'est pas trop le cas. C'est plus un skin. Euh, à la limite, le lore peut-être, ouais, mais une ambiance, euh, euh, oui. une ambiance, voilà, mais, mais ça s'arrête là. Il euh, n'y a, a pas de côté comme vous pouvez avoir, moi, c'est ce truc-là que je voyais peut-être un petit peu, euh, le côté immersive sim, enfin, um, Dalf Life, où tu as ce truc-là des fois où tu dois, pour traverser, euh, je pense, à la, la pièce avec euh, de l'eau et de l'électricité, où, où tu dois toi-même te faire des petits, euh, des petits supports pour éviter de tomber dans l'eau électri électrifiée, etc où tu dois cogiter toi-même comment tu vas faire, par exemple, euh, résolution d'énigmes et compagnie. Euh, je pense qu'à priori, tu n'auras pas du tout ça dans Abiotic Factor. Euh, pas de date de sortie, je crois, et euh, vous pouvez quand même l'ajouter sur votre liste de souhaits Steam. Euh, voilà qui conclut le tour des news euh, de ces 15 derniers jours, en gros. On va parler très rapidement de deux points euh, plus... Euh, plus business entre guillemets euh, des FPS, on va parler de Burning Lands notamment euh, Stuka Oui, Burning Lands qui dans le développement s'est complètement arrêté <laughs> donc euh, c'est dommage, nous, on avait refait des news il n'y a pas très longtemps sur le jeu parce qu'il y avait des vidéos de gameplay qui, qui s'étaient remis à sortie euh, et en fait euh, Barfris nous a fait suivre une lettre ouverte à la communauté qui a été publiée sur, sur le Discord du jeu euh, dans lequel les développeurs expliquent qu'ils sont en grève depuis un certain temps maintenant, euh, en réalité, euh, alors que nous, on avait fait un article il y a quoi, il y a deux semaines, disant que le Kickstarter du jeu s'était enfin ouvert, qui avait d'abord été annoncé en, en 2022, euh, et donc euh, les, la direction de, de Burning Lands avait ouvert les robinets Afrique. Mais euh, en fait, le, les développeurs n'étaient pas d'accord avec euh, justement ce que la direction faisait. Donc, le, on ne sait pas trop euh, de quoi il s'agit, hein, euh, les décisions managériales, que ce soit de la direction de développement du jeu, et peut-être la façon dont euh, le travail était organisé euh, dans le studio. Euh, et donc, même avant que le Kickstarter soit lancé, les, les gens ne travaillaient plus sur Burning Lands. Euh, ils ont quand même <laughs> lancé le Kickstarter, et c'est ça qui a poussé l'équipe de développement à à faire cette communication ouverte à, à, aux personnes qui attendent le jeu donc euh, voilà euh, on a conclu la news en disant que euh, ceux qui ont pledge le jeu sur Kickstarter il bah, faudrait peut-être bien de retirer votre argent parce qu'on sait pas trop où ça va aller euh, on sait euh, pas si le c'est quand même un, un bordel jeu, euh, cette histoire c'est un, un truc de, de fou, j'ai rien compris au communiqué ah déjà, c'est Dallas il, il m'a fallu lire ta news pour que je comprenne un petit peu et c'est un, ouais, un gros bordel, quoi. Les devs qui, qui se retirent du truc parce qu'ils ne veulent pas le Kickstarter, mais en fait on le fait quand même, et du coup on fait grève, il y a des gars qui se font virer. Bah, en et, fait c'est euh, juste qu'ils n'étaient pas d'accord avec euh, un seul mec qui, est, euh, qui a pris la direction du projet, en fait. C'est lui qui est le directeur du studio, quoi. Et euh, personne n'était d'accord avec lui. Ils veulent juste que ce mec-là s'en aille, tout simplement. Ah, euh, et bol, c'est lui qui dirige, quoi. Et donc, du coup, ouais. euh, effectivement, il bah, n'y a aucun développeur qui veut poursuivre. Et euh, du coup, il euh, y a des mecs qui se sont fait virer parce qu'ils qu ont commencé à faire grève. Donc, euh, bon, là, point de vue moral, déjà, ça commence à être moyen. Et, euh, et donc, euh, ouais, au moment où ils ont publié leur lettre, là, on était à peu près à, à 200% d'objectif, c'est-à-dire qu'ils avaient doublé euh, ce qu'ils attendaient. Et euh, au fur et à mesure des jours, là, ça s'est descendu. Et maintenant, on est à 31 000 euros sur 46 000 attendus. Donc là, le projet il ne, ne, va pas, il ne va pas aboutir. Il n'est plus financé, ouais. Il est plus financé et il ne sera pas. Hein, il y a six jours avant la fin, mais je pense pas que ça va. Vu tout le bordel qu'il y a autour, à mon avis, euh, voilà. Ouais. Euh, le directeur, il, je crois qu'il a fait un autre communiqué derrière pour dire euh, non, euh, c'est pas de ma faute, machin, euh, c'est les autres qui sont méchants. Donc, globalement, c'est ça. Euh, ouais, donc effectivement, ça pue du cul. Donc euh, effectivement, faut attendre, faut attendre que ça se tasse. Si euh, les devs euh, ils veulent continuer à bosser dessus, bah euh, ce sera toujours euh, le bon moment pour euh, financer à ce moment-là. Mais là, tant que tant qu'il n'y a pas de devs, on euh, vous dire que c'est pas la peine euh, de, de se pencher dessus. Quoi. Voilà, voilà. Ok. Euh, bah, tant qu'on est avec toi, Estia, tu vas aussi nous parler de, de, de Digital Bros. Qui ouais. ne dit rien comme ça, mais tu vas nous expliquer un peu qui c'est et pourquoi on en parle sur Nofrag. Oui, euh, et bien en fait, Digital Bros, c'est euh, la maison mère de euh, 505 Games, ou 505 Games, qui édite euh, Payday 3, notamment, et Ghost Runner 2. Euh, et donc, Digital Bros a, a annoncé qu'ils allaient bientôt séparer le 30% de leurs employés. Pour Réduire les coûts euh, globalement et se mettre au niveau de la concurrence, et c'est ça qui est assez rigolo, euh, comme vous le savez sans doute. Il euh, y a eu beaucoup de licenciements cette année dans le monde vidéoludique. Il <coughs> y a eu, il euh, y a eu quoi Il y en a eu au début de l'année, c'était plutôt Microsoft. Il ouais. y a eu ouais. Ouais, Ubisoft dernièrement. Il euh, y a eu quoi Il y a eu euh, euh, bah, Embrasseur Group aussi, euh, ceux qui font des Island et tout ça. Il euh, y a eu Midforce qui a licencié euh, un tiers de son staff après, euh, après la sortie de leur jeu parce que c'était de la merde. Il euh, y a Et Epic ouais, Games, Ultimate évidemment, Honor, ouais. qui, a, qui a annoncé licencier parce qu'ils voulait sortir des de jeux. Exactement. Euh, Bungie qui a licencié aussi, avec ah euh, oui, Destiny. Euh, Immortal Safavam, évidemment, qui a, qui a remercié la moitié de son staff. Voilà. Après euh... la sortie de son métron. <laughs> Exactement. Donc euh, là j'ai mis seulement Ce dont on avait parlé Mais je sais qu'il y a d'autres studios qui ne parlent pas de FPS Qui sont aussi séparés de, 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 de développeurs Donc 2023 est vraiment une année noire Pour euh, les Et, euh, développeurs J'ajouterai euh, Pas que les studios de jeux vidéo Parce que même les rédactions Enfin c'est horrible de vous l'annoncer oui. comme ça Mais là euh, nous 5 <laughs> On fait une émission à 5 Mais euh, finalement demain on sera que 4 hein, Je... <laughs> Mais on en parlera, on en parlera après l'émission. Ouais. Pardon de balancer ça comme ça, mais malheureusement, on va aussi devoir suivre la tendance. Bon, bref, je ouais. vous expliquerai, ça va bien se passer. Vous aurez des tickets restaurants. Ouais. Ça va, ça va être sympa, ça va être cool. On n'est pas ouais. des, voilà, on n'est pas des connards. Ouais, on va faire chiens, ça bien. Ouais, okay sortaient ah pas mais... des mouchoirs, ils sont derrière FCP. Voilà. En tout cas, euh, ils ont expliqué, euh, ils ont expliqué que euh, c'était à cause de la pandémie euh, que les joueurs ils sont retranchés sur les titres connus, euh, qui jouaient sur les suites, les suites et tout ça, et qui voulaient pas de nouveaux euh, nouveaux jeux. Les suites, les suites, ah. c'est <laughs> sur les suites, les suites de, de, de licence. Ah, et okay. euh, et euh, donc, ils ont indiqué qu'ils souhaitaient se recentrer sur, euh, sur, bah, sur les suites, sur les licences connues, etc. Euh, et pourtant, nous, quand on regarde, en tout cas, euh, les FPS euh, qu'ont sorti euh, 505, 505 Games, c'est quoi C'est euh, Crime que Boss Rookie. Ro 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 Alors, c'est que des suites Pas que. Pas que, mais euh, Crime Boss Rookie City, qui n'est pas une suite, ça, ça a fait un gros four. Ok, c'était un des de de Payday. De Payday quoi. Voilà. Mais sinon, la suite de Payday 2, pd 3, ça s'est craché. Euh, quand on regarde le nombre de joueurs, euh, bah au, au, au lancement, c'était au-dessus de Payday 2, forcément. Mais au bout d'un euh, mois, je crois, euh, la, la, la courbe s'est euh, croisée. Et euh, c'est. Euh, non, mais mo moins que ça, hein. j'ai l'impression. Non, ça... au lancement, ça a fait ouais, moins que Payday 2. Ouais, euh, non, au lancement ça fait un petit peu plus, mais quelques jours après c'était déjà en dessous de PD2. Et là, actuellement, c'est vraiment pitoyable. Hein. Je crois que c'est 1500 joueurs en moyenne sur PD3 et on est à 30 000 sur PD2. Donc voilà, tout va bien. Et du euh, côté solo, on a Ghost Runner 1 et Ghost Runner 2. Ghost Runner 2 euh, a sa sortie aussi à faire un pic plus important que ce qu'il y a comme joueur sur Ghost Runner 1. Mais, euh, au bout d'un de, euh, de, mois, eh bien, le nombre de joueurs de Ghost Runner 1 euh, est repassé au-dessus du nombre de joueurs de Ghost Runner 2. Donc, euh, donc voilà. Et, ouais. euh, et donc nous, de notre côté, euh, on, a, on, a fait, on, on propose euh, nos, nos conseils et euh, nos, euh, voilà, nos, notre expertise à Digital Bros, éventuellement, pour qu'ils euh, bah, puissent remonter la pente. Hein, euh, pour nous, hein, c'est juste euh, arrêter de faire des suites de merde et des jeux de merde, par exemple. Et peut-être que comme ouais. ça, ils vont. Surtout arrêter de, de, ouais. ouais, de faire des jeux de merde. Ouais, arrêter de faire des jeux de merde. Voilà, c'est ça. Euh, ok, merci pour ce petit récap, euh, Estia, sur, euh, sur la thune. Euh, c'est le nerf de la guerre. Et, et, et voilà, et là, on voit un peu tout le monde effectivement s'aligner. Alors, il y a plein de théories, comme quoi aussi pendant le. Le Covid aurait changé beaucoup de choses, etc. Il y a aussi eu beaucoup de gros jeux plus, plus, assez importants euh, qui ont été retardés. Donc du coup, on a eu euh, des devs qui sont restés plus longtemps que prévu. Et finalement, maintenant que les gros jeux sont sortis, on dégage tout le monde. Oui. Euh, à noter aussi que très 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 loin de moi l'idée de, de cautionner, de virer des gens, hein, évidemment. Euh, mais en lisant les quelques bouquins ou quelques articles, etc., j'ai l'impression qu'aux États-Unis, je ne sais pas comment c'est en, en France ou en Europe. Euh, ça, quand un studio ferme, un gros studio en tout cas, ou vire des gens, il y a toujours des espèces de, de, de comment on va appeler ça, de discussions pour que d'autres studios reprennent une partie des développeurs. Enfin, en, en gros, quand ils te virent c'est pas genre tiens prends ton chèque et tu te casses. Ouais. Euh, mmh. et je crois que de manière générale, les, les, les RH ou comme ça essaient de te trouver une autre place, ou euh, ou alors il y a un appel, une espèce d'appel d'offres quoi. En gros, bon ben on va se séparer de 50 employés qui sont super bons dans tel domaine. Les autres studios, si vous êtes chaud, n'hésitez euh, pas, etc. Euh, bon, voilà, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas horrible de, de se faire virer, hein, mais, euh, mais euh, bon, c'est peut-être différent euh, que l'image qu'on a, qu a en France euh, de se faire virer du jour au lendemain et d'avoir juste quelques indemnités, euh, alors qu'on était super content de travailler sur Far Cry 7. Euh, bref, euh, ça c'était le petit tour euh, des, des, des news business. On va faire un tour rapide, rapide euh, des mises à jour. Avec euh, notamment Six Days in Fallujah, euh, Matt Mouatt, que tu avais eu l'opportunité de tester, de streamer il y a quelques semaines à sa sortie. Oh, il a reçu une mise à jour, quelques mois, quelques années, ouais, quelques, ouais, quelques, quelques siècles. Mois, quelques mois. <coughs> pardon, pardon c'est <coughs> ça, tout bon, à voilà. fait. Bon, Six Days, ouais, à sa sortie, euh, sortie en accès anticipé euh, il y a quelques mois, j'avais pu le tester. Bon, c'était vraiment assez sympathique. Euh, bon, malheureusement, euh, euh, plus peu de contenu, contenu le ouais. genre, peu de contenu à sa sortie. Hein, il y avait, il y avait quatre, euh, quatre missions. Euh, dont on faisait assez vite le tour. Euh, bah là, ils ont l'air de respecter quand même leur, leur roadmap, euh, puisqu'ils avaient annoncé euh, pour fin d'année euh, sortir des nouvelles, des nouvelles cartes. Euh, ça, sera le cas. ça sera le cas en décembre, où on aura le droit à, une, à, à trois nouvelles missions euh, situées dans un parc d'attractions à 500 km de, de, de là où se trouvent les, les quatre premières missions. Donc, je vais regarder un petit peu sur pour la petite histoire sur Google Maps où se situait ce, ce truc. Et c'est vraiment, euh, vraiment un borne et euh, de, de Fallujah. Et euh, par contre, on ne voit rien. j'ai pas réussi à avoir des, des, des photos de, de parc ou quoi, mais euh, et voilà. Donc là, la particularité, ça sera euh, que ça sera beaucoup plus, euh, dans, on va dire, en monde ouvert, euh, plus en extérieur. Donc on n'aura pas, euh, pas, ou un peu moins, je pense, à, à nettoyer des bâtiments, à avoir des, des couloirs, des angles morts et des, des coupes-gorges à chaque fois comme ça. Je pense qu'on sera vraiment plus, justement, sur des tirs à longue distance et euh, avec des, des espaces vraiment beaucoup plus ouverts pour que les ennemis puissent nous contourner euh, à souhait. Et euh, ça a l'air pas mal, donc euh, à voir. Hein. Donc, du coup, ça va arriver vraiment le mois prochain, donc ça va arriver assez vite. Euh, ils disent décembre, on ne sait pas quand, si c'est début décembre ou fin dé décembre. Euh, on verra bien. Et puis, euh, bah sinon, je vous dis, euh, ils bossent euh, sur... Euh, un système de leur système de commande euh, inédit apparemment euh, ils devraient intégrer ça dans le, le mode solo euh, qui devrait arriver pareil en début d'année prochaine. Ok. Et voilà, c'est tout. Euh, je testerai merci. bien sûr le, je testerai la nouvelle map. Il y, aura, il y aura des lives dessus, bien sûr. Donc, ça, ça arrive quand du coup euh, Décembre. Je n'ai pas, pas de date précise, mais décembre. Ouais, ouais ça sera l'occasion euh... de faire un petit stream euh, tous les deux ou même plus. Hein, je ne sais pas qui, qui a le jeu, mais. Wow, on pose the euh, Pas moi, enfin, mais vous aviez joué avec, euh, avec d'autres personnes, il me semble. Ouais, 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 ouais. ouais j'ai pas mal de... Euh, pas mal de ouais, on, a, on a pas ouais. mal de jeux là. Ok, euh, on va donner la parole à Loulou, qui va nous parler ouais. euh, de Maximum Action, dont on a déjà parlé plusieurs fois sur nos frags, euh, et qui déploie une nouvelle mise à jour, c'est bien ça Loulou Effectivement, alors euh, comme, comme il a été dit, donc Maximum Action déploie donc euh... Une nouvelle mise à jour, donc cette fois-ci qui rend honneur on va dire, au film de John Woo. Donc euh, ça va intégrer on va dire, de nouveaux niveaux euh, dans, dans un dépôt où en fait bon, bah, comme d'hab euh, vous incarnez un, un acteur qui va défourailler à gauche à droite avec des multiples armes, donc surtout des, des méchants qui sont sur des motocross. Donc comme d'habitude, euh, un environnement qui est totalement 100% destructible, donc vous pourrez tout faire péter. Également, donc que ça sera aussi l'occasion pour vous, on va dire, d'avoir aussi une nouvelle map dans le monde, dans le mode sans fin, on va dire, hein, comme d'habitude, le mode de vague vague d'ennemis sans fin. Et également, ce qu'il a aussi informé, c'est que là, bon là, je pense que ça va être la dernière mise à jour parce qu'il taffe en fait à fond pour pouvoir sortir la version 1.0 prochainement, Donc, il n'a pas encore donné de date de sortie, mais voilà. Donc, là, je pense que là, il n'y aura plus grand-chose d'ici euh, en, en termes de mise à jour, hormis la, la future mise à jour pour la sortie qui lui permettra de quitter l'axe anticipé. Euh, également, bah, il, a, il en a profité aussi pour informer que, vu que Maximum Action sera bientôt, on va dire, terminé, il lance son nouveau projet qu'il appelle le Cover Ultra. Donc, c'est un FPS d'infiltration euh, dont la news avait été tenue par notre expert BSTGR. Et euh, voilà, donc c'est un nouveau projet qui veut nourrir, donc pour le moment il n'en a pas trop parlé, donc euh, à voir peut-être euh, s'il va aussi faire un, un accès anticipé, mais c'est fort probable, hein, vu, vu qu'à la base il travaille en solo, donc c'est possible. Voilà. Ok, okay. Euh, <laughs> coup, on, on a parlé de John Woo, non je voulais faire une blague sur les films de John mm -hmm. Woo, mais c'est euh, destructible quand même. Il est destructible. Ouais. Non, 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 moi je plus sur Mission Impossible 2 avec Tom Cruise, euh, la moto, tout ça. Quand t'as dit ouais. moto, j'ai pensé Tom Cruise sur la moto Tom qui, Cruise. je sais pas si vous vous rappelez, qui, oui bien sûr, il se, il se met sur le côté de la moto, enfin il, ouais. il, il saute, c'est-à-dire, ouais, il se met à côté de la moto, les pieds sur le sur le goudron, quoi, avec la, pour pour se mettre à couvert et pouvoir tirer sur les méchants quoi. Enfin bon, bref, John Woo, Tom Cruise. Psh. La magie du cinéma. Euh, merci. Euh, merci, Loulou, pour ce petit récap. Je garde la parole pour vous parler euh, de Teardown, euh, qui, euh, qui avait rencontré son petit succès, d'après les stats Steam, d'ailleurs, euh, qui étaient sorti euh, fin d'année dernière. Down, pour vous résumer ou vous rappeler, c'est un simulateur de braquage, euh, en quelque sorte, où vous devez à chaque fois, dans, des, dans une petite dizaine de niveaux, récupérer euh, 5-6 éléments quoi, à chaque fois, des coffres ou comme ça. Euh, sauf qu'à partir du moment où vous en récupérez un, il y a un compte à rebours qui se lance donc vous avez plus que 2 minutes pour récupérer les 5 autres et réussir à vous extraire du niveau. Et le petit gimmick en plus qui rend ça évidemment super super intéressant c'est que tout le décor est destructible, absolument tout le décor est destructible. Donc en fait, au lieu de vous faire chier à prendre le coffre dans telle pièce, puis à contourner pour aller dans l'autre pièce etc, non 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 vous taillez des espèces de gros trous dans tous les bâtiments que vous voulez et vous explosez tout à coup de dynamite, etc, etc. Euh, il me semble que c'était Rutabaga qui avait fait ou Saer qui a fait le test, je sais si. Sahar, ouais, qui avait bien kiffé et il avait bien ouais. raison parce que c'est un super un super bon FPS que je vous recommande. Mmh. Et euh, les développeurs ont sorti le 15 novembre dernier le premier euh, DLC d'un Season Pass qui est, sorti, euh, qui est sorti en même temps, euh, qui s'appelle Time Campers et qui, comme son nom le suggère vite fait, vous invite à voyager dans le temps avec une Doloréane. Génial. Et donc vous remontez au temps du Far West, comme on peut le voir dans, dans l'abandonnance que nous diffuse Estia. Euh, j'ai posé les mains très rapidement tout à l'heure parce que j'avais pas fini la campagne euh, du, du, du jeu, de la campagne principale, donc j'ai fini ça ces derniers jours là et je l'ai lancé avant de, de lancer l'émission tout à l'heure. Ça, ça change pas du tout fondamentalement le gameplay, euh, mais le décor est carrément, euh, carrément cool quoi, enfin, c'est vraiment le, le western trop trop bien fait, en plus les graphismes sont plutôt cool comme, euh, comme le jeu principal. Donc, ça va être cool d'avoir des nouveaux niveaux parce que c'est vrai que les niveaux de, de down on y revient quand même plusieurs fois à chaque fois avec des nouveaux scénarios, etc. Là, c'est l'occasion d'avoir bah, des nouveaux décors, des nouveaux éléments. Il y a quelques nouveautés comme euh, la dynamite, la TNT, etc. Euh, les véhicules sont remplacés par des chevaux et ça, c'est très rigolo. Euh, voilà, donc une petite mise à jour euh, qui coûte même pas 10 balles, qui coûte 8 balles. Euh, le season pass à 30 balles. Euh, si vous avez tourné et retourné Teardown dans tous les sens, on vous invite donc à vous offrir ce magnifique DLC. Et si vous ne connaissez pas Teardown, euh, on vous invite à le tester parce que c'est vraiment très très cool. Voilà pour euh, Teardown, on va parler de d'un autre jeu qui lui est 10 000 fois plus connu, peut-être, euh, ouais. et qui est, qui est là depuis très 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 longtemps aussi. Trop longtemps, euh, Daisy, <laughs> Daisy, ouais. Estia, tu vas nous parler de Daisy du coup oui, c'est ça. Je parle de Daisy qui a eu une grosse mise à jour, enfin euh, une grosse, une mise à jour euh, récemment. Et euh, notamment le, le truc majeur hein, qu'ils ont mis vraiment en avant, c'est qu'ils ont travaillé sur les nuages. Euh, voilà, donc ça c'était l'aspect euh, vraiment, euh, vraiment vendeur hein, de, de cette mise à jour. Mais il faut croire que ça a convaincu euh, les joueurs parce qu'ils ont, euh, suite à cette mise à jour dépasser leur pic euh, jamais atteint euh, de joueurs simultanés, ils ont atteint pratiquement 70 000 personnes. Euh, et euh, depuis, ça ne désemplit pas, hein. c'est-à-dire que là, c'est euh, toujours aussi haut. Euh, les joueurs continuent euh, à jouer à, à Daisy. Alors, c'est vrai que nous, on n'a jamais vraiment accroché, et bon, c'est vrai que Daisy, c'était sympa pour se moquer, parce que... Bah, C'est un jeu qui sortait jamais, euh, avec euh, les zombies, en fait, des fois, il n'y avait même pas de zombies, euh, ça buguait et tout ça. Bon, euh, ça doit plaire quand même, ça doit être sympa euh, quand même, hein. les gens doivent, doivent quand même bien, bien apprécier. Donc, euh, donc voilà, il y a quand même un suivi, le jeu n'est pas abandonné. Il euh, n'y a pas que les nuages hein, qui arrivent, il hein. y a aussi euh, des points d'intérêt qu'on Ah si, change. il a été abandonné par son développeur. Oui, par son développeur, d'accord, bah, son, son créateur plutôt, mais pas par son développeur. Son créateur, pardon. Ouais. Et, euh, et derrière, par contre, effectivement, il euh, bah, y, y a aussi de nouvelles armes, et de nouveaux, enfin, des, des équilibrages et tout ça. Hein. Euh, une nouvelle pelle, c'est très important, la nouvelle pelle. Ah euh, mais Tu aurais dû commencer par ça Oui, effectivement, excusez-moi. Et puis, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a eu un pic de joueurs. Hein. Ah, ouais, la pelle. Ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, non, non, voilà, on se moque, mais effectivement, euh, bah, ça doit être euh, pas si mal quand même s'il y a 70 000 personnes à, à y jouer euh, mm. simultanément. Voilà, les reviews ont, ont un peu am sont, am sont améliorés aussi euh, au fur et à mesure de, 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 bah, du développement du jeu euh, puisque il est en 1.0 depuis pas très longtemps finalement euh, il était en lien access euh, pendant très 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 longtemps il était en 2, mais... je crois non ouais pff, bon, on saurait pas vous dire mais voilà en tout cas il était en dev une dizaine d'années quoi ouais ouais ouais, ouais globalement en oh. gros et donc avec euh, euh, en... comment le dev euh, de, euh... Dan Hall, non, c'est ça Ouais, Dean Hall ah. Dean ah. Hall, ouais, qui s'était barré, euh, qui a, nous avait pondu le truc horrible, là, le jeu de survie euh, que nous, on savait testé. Euh. Ouais. Euh, euh, non, je joue dans, que si dans le rute, Ruta, Ruta, fin, ruta. Ouais, ruta et, Ok, ouais, ouais, je, je crois que Matt, moi, t'aimes bien alors. Euh... Ah euh, Ah, pardon. Icarus. Ah Eh ben, merde, je l'ai dit. Icarus Icarus. Ah, ouais. <laughs> bah, j'y ai joué pas mal à Icarus. Ouais. Ben, cherchez plus euh, pourquoi on sera que 4 euh, dès demain. Euh, <laughs> tu viendras me voir à la fin de l'émission. Euh, Carus, de... et je ne sais même plus ce que c'est. Ah oui, Carus, oui. Ah bah oui, je l'ai, <laughs> J'ai joué en 50 heures dessus. Bah, rigole oh. pas attends, je suis en train de regarder. Non, 50 heures. Ah, ça va, ça va. Ah. Bon, tu passeras quand même me voir. Euh, tu vas, tant qu'on est avec toi, d'ailleurs, Matemote, tu vas nous parler d'un autre non. jeu. Euh... Ok, et ben bah donc, tant que tu es avec moi, Estia, tu vas nous veux... parler. Non, allez, s'il te plaît, allez, pour ta dernière émission, pour ta dernière émission avec nous, parle-nous de Warhammer 40 000. Oui, Warhammer, bah, Warhammer qui sort, euh, qui sort une, une, une grosse mage en, en deux parties. Donc, il y, 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 y a la première partie, du coup, euh, qui est sortie euh, ce mois-ci. Il y aura la deuxième partie qui sortira le mois prochain. Euh, ça s'appelle The Traitor Curse. Euh, et il euh, bah, y, y a du nouveau, il y, y a des nouvelles maps, euh, principalement une, je pense, une grosse, ma une, une grosse map euh, qu'on a pu tester avec, euh, avec Stuka mais euh, on en parlera après. Et il euh, et, euh, y a eu des améliorations sur pas mal de choses, et euh, avec euh, l'arbre de compétences aussi qui est amélioré pour le vétéran. Et euh, bah après, on devine que dans la deuxième partie, il y aura les, les autres améliorations euh, d'arbres de talent sur, euh, sur les autres classes. Mais euh, ouais, Warhammer qui continue bah, son petit bonhomme de chemin euh, à proposer euh, du contenu euh, qu'il n'avait pas proposé le jour de sa sortie. Et euh, donc voilà, avec un peu de retard, mais euh, ça va. Euh, Comme bon, à l'accoutumée avec, euh, avec les devs, quoi, qui avaient fait le ouais. bon coup avec euh, ça, ça. et euh, puis euh, ouais. C'est ça, et dans cette match, bah, toujours, les, euh, toujours des cosmétiques et tout le tralala. Il euh, y a eu pas mal d'interactions, chose qui va ravir Estia, euh, interaction entre, entre les personnages à chaque fois, ces petites phrases euh, pour, pour la, pour la ah. patrie et compagnie euh, mmh. que Estia adorait. Bah là, ils en ont rajouté, euh, je crois qu'une quarantaine en plus, là, je sais plus. D'accord. Euh, mais non, mais c'est toujours aussi plaisant après. Euh... Après, ouais, j'attends de voir un peu aussi la. la je crois qu'apparemment, il euh, y a une des phrases, c'est euh, :« J'engage la responsabilité de mon gouvernement en <laughs> proposant ». Non, je crois qu'il y a. Non, pardon. Euh, <laughs> bah, euh, coule, merci, moi de ce petit récap de de Warhammer 40 qu'on avait plutôt apprécié, même s'il était, il y avait pas mal de défauts, répétitivité, tout ça. Mais je pense que on savait déjà à l'époque que c'est un jeu qui serait, qui tiendrait sur la longueur. Ouais. C'est tout euh... ce qu'on lui souhaite. Euh, un jeu qui tient euh, sur la longueur, peut-être un peu trop, mais c'est pour la bonne cause. C'est euh, Arma euh, Estia, dont tu vas nous parler, puisqu'il a oui. aussi reçu euh, une mise à jour de mise à jour. Enfin, une mise à jour de DLC. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, ouais, alors c'est Lou qui a, qui a fait les news, mais effectivement, moi, j'ai euh, une source euh, d'un joueur euh, qui, euh, qui connaît bien Arma. C'est euh, notre ancien rédacteur euh, Saer, que, euh, que je croise régulièrement, donc euh, on a eu l'occasion d'en parler. Je fais euh... des bisous. Oui. En, donc... en tout cas, je fais des bisous. Ah, ouais. Engage la responsabilité de la rédaction et je fais des bisous à ça. Voilà, ok, je vous dis à demain. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est Arma Reforger C'est en gros euh, Arma, mais sur le nouveau moteur Unfusion euh, qui sera utilisé euh, dans Arma 4, a priori, qui n'est même pas encore annoncé. Et voilà, et en fait, en gros, c'est un peu une démo technique. Et quand c'était sorti en accès anticipé euh, l'année dernière, euh, ça a fait un peu un tollé parce que bah, c'était de la merde. Il euh, n'y avait rien à faire. Euh, les bots, c'était atroce. Euh, il manquait plein de choses et tout ça. Et c'était vendu 40 balles, je crois. Euh, du coup, euh, tout le monde avait dit Mais c'est quoi ce, ce truc de merde quoi -ce On peut rien, quasiment rien faire. Le sport des modes, il était vraiment un peu pourri et tout ça. Et, euh, et puis, bah, en fait, bah, ils n'ont pas laissé euh, tomber. Hein. Ils ont insisté. Pour, euh, pour que bah, ça devienne quelque chose d'utilisable et de jouable. Et, euh, et donc, ça me disait qu'il euh, y avait moyen quand même de s'amuser, euh, notamment avec un mode de jeu dont j'ai oublié le nom, euh, mais qui doit être dans la news. Enfin, euh, euh, c'est en gros un mode de jeu sur, à, à grande échelle. Sur, donc, En fait, les cartes, déjà, c'est euh, monde ouvert. Donc, c'est toute une île. Et, euh, et euh, ça va être un peu genre des lignes de front qu'il va falloir faire Avancer, euh, etc., et donc du coup, euh, bah, du coup, euh, du coup, c'est apparemment plutôt sympa, même si ça prend genre bien une heure, une heure et demie pour faire une partie. Euh, le problème, c'est que jusqu'à présent, la stabilité était vraiment déplorable, ce qui fait que c'était assez difficile de terminer une partie, euh, ce qui est un peu embêtant <coughs> pour un jeu. Donc là, apparemment, il bosse quand même pas mal sur, sur la stabilité. Euh, donc, euh, ça devrait être beaucoup mieux avec euh, cette sortie de la 1.0 euh, d'Armare Forger. Et donc, euh, donc voilà, euh, globalement, euh, ça s'améliore. Euh, ça pouvait que s'améliorer, puisque c'était euh, pas terrible. Et, euh, et donc voilà, ça continue. Et je pense que les fans de la Dim Sim, enfin de... Non pas Dim Sim, de, 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 de Simulation Militaire. De 1000 Sims. de 1000 Sims, ouais, voilà. Seront euh, plutôt contents, même si dans les commentaires, on nous disait qu'il euh, y avait euh, beaucoup de joueurs Xbox. Euh, et que, euh, en gros, si on désactivait le crossplay, euh, bah, les serveurs étaient quasiment vides. Euh, voilà. Euh, donc, euh, pourquoi pas hein, euh, bah, C'est juste qu'il faut, faut composer avec les joueurs Xbox, mais euh, peut être qu'ils aussi peuvent être fans de simulation militaire. Hein. Voilà. OK, euh, merci Estia pour ce petit récap. Euh, au passage, euh il n'y avait pas il avait pas eu un espèce de tease de, de nouvelle version de d'arma dans les tuyaux mais genre en version ultra ultra alpha il n'y avait pas eu une histoire comme ça où je dis je les peut-être peut-être que je ah, rêvé. ça ne me dit rien du tout parce que non, je sais pas okay. Okay. bon c'est Harry Frodger le tease <laughs> ouais c'est ça ouais enfin ouais, qui est pas du coup enfin plus un 3.5 du coup qu'un qu véritable qu'un véritable quatrième opus bref euh... Et si on reste avec toi, tu vas nous parler de, de vampires Ouais, exactement. Je vous parle vite fait de Vampire Hunters, euh, dont je vous avais déjà parlé parce que j'avais fait le test. Euh, C'est un petit jeu indé où on accumule des armes, jusqu'à euh, 10 armes dans les mains. Euh, C'est bon, un peu humoristique, évidemment. Euh, et jusqu'à présent, c'était juste dans des couloirs. En fait, on parcourirait des cou couloirs, on ne pouvait pas euh, vraiment. Euh, euh, bouger, enfin on était vraiment euh, on devait obligatoirement avancer, il y avait des armées euh, d'ennemis qui arrivaient, on devait tous les dégommer euh, et c'était le euh, principe c'est qu'on crève, on gagne on gagne en en comment euh en Pouvoir ou en, en capacité pour avoir de nouvelles armes et tout ça, et, euh, et on continue ainsi de suite à monter à grinder, etc. Comme euh, oui, on, on rappelle Survivor. le concept, euh, ouais, 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 c'est un, un roguelite. Ouais, ouais. Et donc là, en fait, ils ont sorti une grosse mise à jour où cette fois-ci on peut, comme vous pouvez le voir, euh, se déplacer librement sur une carte, et euh, c'est exactement le même, le même principe. Sauf que là, bah, c'est un vrai FPS dans le sens où on se déplace, etc. Et on doit faire du crowd control, et, euh, et bah, je trouve c'est toujours aussi addictif. C'est qui bizarre qu'il ait sorti ce mode-là euh, après, parce que autant euh, le, le jeu de, enfin avant cette mise à jour, ouais. moi je trouvais que c'était, je comprenais pas trop l'intérêt du titre, quoi, parce que vraiment courir dans des couloirs avec des vagues d'ennemis euh, exactement, enfin non, du coup pas exactement comme dans Vampire Survivors, qui lui est en vue dessus, mais dans un ouais. niveau ouvert, ouais. et qui est genre un espèce de cookie clicker euh, version 2022, quoi, parce que c'est ouais, tu ouais le... c'est ça. Tu ne fais que te déplacer. Tu ne cliques pas pour tirer. Ah ouais, les ouais, tirs sont automatiques. Alors que là, là tu, peux choisir, Vampire là. Hunters. Okay, tu ouais. peux choisir. Tu peux choisir. Tu peux soit tirer de mais manière. Tu n'as pas de reload, tu pas de. Euh, si, tu as du reload là. Tu as du reload, okay. mais euh, bah, justement, tu dois améliorer ton reload, etc. Tu dois faire en sorte de euh, réduire ouais, non, le reload. Tu as quand même, ouais. as quand même euh, as plus d'interactivité avec le jeu que dans Vampire Survivors. Quoi. Ouais, sans doute, ouais. Ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est quand même basé euh, uniquement sur le fait de. Euh, tu, termines le... Enfin, tu crèves et tu as immédiatement envie de relancer pour pouvoir. Euh, bah, oui, et puis t'as débloqué de l'argent, je ne sais pas trop exactement, quoi, qui te permet tu de faire euh, des petites améliorations, etc. Et donc c'est hyper addictif et tout. Et euh, franchement, j'ai relancé un petit peu pour, pour voir ce que la mise à jour et j'ai dû passer genre deux heures. Tu vois. Donc euh, c'est. Ouais, ouais, ça accroche bien. Bon, en tout cas, moi, ça m'a bien accroché et je trouve qu'avec cette nouvelle mise à jour, c'est toujours euh, très efficace. Voilà. C'est pas donc, gênant le, le fait le... d'avoir euh, des, des milliers d'armes. Au niveau le de la TH, ou... Non, non, pas trop. Je... Non, non. Bon. non, pas trop. Non. non ça gêne pas trop parce que ouais. de toute façon, bah, les ennemis sont cons comme leurs pieds. Je veux dire, ils viennent juste vers toi. Hein. c'est pas un truc euh, très compliqué. Hein. Donc, euh, mm. non, c'est euh, vraiment basé sur le code control, sur le fait... Bah, la le, 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 le petite, euh, petite décharge d'endorphine de, 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 quand tu, quand tu améliores ouais. tes trucs et tout ça... Par je vois, euh... ouais, exactement. Ouais, tout ça. Un jeu qui, ça pourrait être un jeu mobile presque. Ouais, euh, ouais, 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 ouais. ouais c'est le principe, sauf que Ouais, ça marche bien. Un autre jeu qui aurait pu être un free-to-play mobile, euh, en tout cas nous à la REDAC on est un peu passé à côté, euh, c'est Grounded, le, le survival euh, géré et Lagos développé par euh, Obsidian, euh, qu'on n'avait pas particulièrement euh, aimé quand il était arrivé en accès anticipé. Je me souviens d'un stream d'anthologie où... Ou déjà, euh, déjà un petit peu prémonition, mais on s'était fait tuer toute notre base à cause de punaise de lit me semble, hein. mais bon bref. Euh, en tout cas, le jeu continue d'être largement mis à jour par les développeurs depuis sa sortie en, en, en version 1.0, et on traite de, la plupart des mises à jour, et à chaque fois il y a quand même pas mal de contenu, nouvelles bestioles, nouveaux, nouveau, euh, euh, nouveaux objets pour décorer les maisons, chambre, etc. Et euh, là, pour rendre honneur quand même aux développeurs, on a failli passer cette news à la trappe, mais on a décidé d'en parler parce qu'ils viennent de sortir une grosse mise à jour euh, qui ajoute un éditeur de niveau en fait, et euh, pas un éditeur de niveau euh, basique, euh, d'après la vidéo qu'ils ont sorti pour l'occasion où ils, dé ils dé développent un petit peu euh, le, cette mise à jour, le contenu de la mise à jour. Il nous parle aussi du fait qu'il y a carrément même des modules de, de gameplay pur, c'est-à-dire de, de, de triggers, par exemple, au moment où on va marcher sur une case en particulier, ça va déclencher un événement, etc. On peut modifier le comportement des, des IA. Euh, tout un tas d'autres paramètres qui, en gros, permettent même de développer ses propres modes à l'intérieur du jeu. C'est plutôt cool comme initiative, même si, bon, on, je, je le redis, nous, on n'est vraiment pas du tout fan du, du jeu quoi, en lui-même, mais. Euh, euh, a priori le jeu il est quand même toujours euh, très joué puisqu'il était euh, dans le top des jeux les plus joués de l'année dernière sur Steam. Euh, dans les FPS en tout cas, dans les dix dans les premiers il me semble. Euh, ça nous avait beaucoup étonné mais c'est le cas donc euh, à croire que les, les gens se satisfont de, de très peu. Mais euh, donc voilà c'était juste pour histoire de ne de, de, de pas clasher euh, gratuitement euh, tous les jeux. Là en l'occurrence les devs ils, ils continuent à faire le taf, à sortir plein de mises à jour. Un éditeur de niveau très complet. Euh, voilà, si vous aimez, si vous n'avez pas peur des araignées euh, et si vous avez surtout pas peur de vous faire chier, euh, peut-être que cette mise à jour euh, saura vous intéresser. Euh, Est-ce que on parle ensuite de euh, cha du chapitre 2 de Project Warlock pro euh. Je la refais ah. ou euh, je la refais pas <laughs> Non, tu la refais pas. En gros, Project Warlock ouais, sortira en fait son chapitre 2 le 21 novembre, voilà, vous le savez. Eh ben, c'est voilà. magnifique. Et donc, c'est quoi C'est demain, c'est après-demain, c'est bientôt, c'est mardi. Ah oui. mardi. Dans ouais, deux jours, Dans deux jours. Et euh, par contre, on va vous parler un oui. peu plus longuement euh, de du jeu préféré euh, de la rédac de, de tous les joueurs de FPS. Mmh. Euh, Half-Life. Non Qui a fait un est hmm, Estia ah, C'est moi. Je, moi, personnellement, j'ai jamais on joué. Va ah, on va se retrouver à trois. On va se retrouver <laughs> à trois. Attends, t'as jamais joué à Half-Life Bah quasiment jamais quoi. J'ai moi j'ai joué chez un pote quoi, c'est tout. Mais Half-Life le... Ah, le premier, j'ai moi j'ai découvert. La moi, quoi. Je refuse. Je refuse. Moi j'ai <laughs> <'ai> mis... <laughs> mis... fait. Là, wow. Je vais vomir, euh... Je vais vomir. C'est. <laughs> moi c'est c'est Mesa hein, que ah. j'ai fait pour pour savoir ce que c'était que Half-Life. <laughs> Half-Life. <laughs> <laughs> Oh là là! Waouh! Pardon, excusez-moi, je. <laughs> ok. Ouais, je vais okay, en faire okay, une pourrie, okay. mais là. Euh... Ah, je te donne ça parce que t'as vraiment pas le niveau. Il fallait que <laughs> je euh, à côté. Bon, donc Half-Life, ce petit jeu indépendant dont on a vaguement parlé en 1998. Euh, faites donc ces 25 ans, Estia, si tu veux nous en oui. parler un peu plus. Ah ouais, bah, c'est moi qui en parle du coup. Ok, bah très bien, pas de problème. Ah ben... ouais, Bah C'est sorti, euh, sorti le 19 novembre euh, il y a 25 ans, euh, en 1998. Euh, <laughs> <laughs> euh, et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, et ben en fait, si, non, Valve quand même a décidé de mettre les petits plats dans les grands et ils ont fait une mise à jour pour Half-Life. Euh, <laughs> Une mise à jour légèrement graphique, mais pas vraiment en fait. Hein. C'est juste qu'ils ont fait euh, une adaptation pour les euh, grands euh, écrans, euh, pour euh, pour les hautes résolutions. Bah, le rendu compatible euh, aux écrans, etc. Ouais. Exactement. Et ils ont sorti aussi un euh, documentaire que là je vous montre des images effectivement. Euh, un documentaire sur toute la création de Half-Life avec euh, les développeurs de l'époque et tout ça. Et ça, je pense, c'est vraiment plutôt pas mal. J'ai commencé à regarder, j'ai pas eu le temps de terminer donc, euh, donc euh, voilà je vous invite à aller voir parce que apparemment c'est un très bon documentaire les gens euh, ouais. ont trouvé ça vraiment très bien euh, des, des gens de l'industrie euh, les, les, les devindés et tout ça euh, ont commenté ça en disant que' ouais, c'était cool c'était cool d'avoir ça comme, comme, comme euh, documentaire donc, euh, je, donc voilà allez-y de... et euh, sinon donc euh, oui pour revenir vite fait sur la mise à jour c'est que euh, ils ont fait ils ont aussi rajouté des trucs euh, donc, sur votre version de Lifelife. Life, euh, que vous avez sur Steam, euh, maintenant pour tout le monde gratuitement d'ailleurs, jusqu'au 20, jusqu'à demain. Donc allez vite chercher votre, votre copie de Half-Life sur Steam. Euh, vous avez maintenant euh, des petits trucs exclusifs euh, qui, avaient, euh, qui avaient été publiés dans des, euh, sur des CD avec des magazines ou euh, avec des vendeurs de, de, de cartes graphiques et tout ça à l'époque. Euh, genre une petite campagne solo euh, supplémentaire, des skins, des maps euh, multi, etc. Donc euh, ils, ont, euh, ils ont rajouté ça, ils, ont... ils sont amusés avec, euh, avec, euh, avec cette partie-là aussi euh, du multi, à, à faire plein de petits équilibrages, plein de petites corrections, un trucs comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'est assez sympa, je trouve. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont fait un truc sympa. Voilà. Je ne sais pas si.. Tu sais quoi, de, 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 de reparler re 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 Reparler yeah. re de ce jeu qu'on est... a vanné, Estia, il n'y a pas ouais, de souci mais... mais ça reste euh, un des FPS le plus important, un des FPS solo. En tout oui. cas, euh, ouais, le plus important. Euh, en termes, déjà, juste purement euh, à sa sortie, techniquement, euh, etc. Euh, pas le premier, mais hein, le jeu qui met vraiment énormément l'accent sur le scénario, avec des scripts, mais super bien placés, le comportement des NPC, etc. Enfin, qui, qui, qui apporte ou peau tout un tas de mécaniques qui, 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 ont, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont été reprises depuis dans quasiment tous les FPS. Euh, oui. Vraiment un, un gros taf là-dessus, et même parfois, je trouve qu'il n'a pas toujours été égalé euh, jusqu'ici. Et puis même l'héritage derrière, c'est le c'est le moteur qui a été réutilisé euh, dans tous les sens, euh, que ce soit Counter-Strike, Natural Selection, euh, Day of Defeat, euh, enfin il y, y, y a plein 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 de jeux multi ou pas multi d'ailleurs qui euh, qui ont pu naître grâce euh, grâce à la générosité des devs qui filaient le le moteur à utiliser gratos avec les bons outils etc. Ils sont Donc un euh, moteur de quake hein, quand même. Hein. De quake ouais, 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 ouais. Ah. Mais <coughs> non mais c'est quand même cool que du coup ils, oui. ils refont leur moteur par rapport à quake et derrière mm. ils, le laissent, euh, ils le laissent gratos. Euh... <coughs> ouais. enfin, franchement ça a été un impact énorme, ça a été un impact énorme sur, sur le fps. Moi je considère autant que doom. Il euh... oui, y a eu doom qui a, qui a marqué qui a marqué un, un grand coup déjà. Euh quelques années avant, et Half-Life, c'est vraiment le step après euh, qui, 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 qui consacre le FPS euh, ca, quasiment. Euh. Voilà, bon, c'est un et énorme surtout fan le, surtout solo. Pas, mais... euh, ouais, enfin, le solo, le, le multi, ouais, là, le multi il, a aussi, il a eu son mais son truc à, à l'époque oui. aussi, hein, ouais, était, euh, il était très très cool le multi, qui a donné aussi plein de petits bébés de jeux multijoueurs très très cool. Bah oui, bien sûr. Euh, et pour ceux qui euh, auraient trop peur de, se, de, de pleurer des yeux en, en jouant, euh, on ne peut que vous recommander le remake euh, officieux, semi-officieux, semi-officiel euh, de Half-Life Black Mesa, ouais. qui est sorti il y a euh, deux ou trois ans. En 2021, qui... je crois. Ouais, peut-être, ouais. Et qui, pour le coup, est, est un mix entre remake et remaster, parce que bon, c'est un remaster visuel, évidemment, mais il euh, y a aussi pas mal de de points, euh, notamment, du, notamment du level design pardon, qui ont été revus, euh, des trucs qu'on trouvait chiants qui ont été, ra qui ont été raccourcis et, euh, ou inversement, et il euh, y a toute la partie sur Xen qui est beaucoup plus longue que dans, que dans l'opus original, euh, ce qui a déplu, on a déplu à certains joueurs d'ailleurs. Bref, c'est une très très bonne, très très bonne façon de se remettre dans Half-Life pour ceux qui n'auront pas forcément envie de donc de jouer avec des pixels partout partout. C'est ce super en fait, beau. Je ok. Euh, donc allez, euh, foncer sur Half-Life si vous l'avez pas fait ou sur Black Mesa si vous avez peur euh, de saigner des yeux. Dans tous les cas, c'est vraiment un jeu qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie, euh, ouais. même le. Les, les dialogues des NPC, enfin il y a tout qui est ouais, trop ouais, bien, enfin, c'est ouais, vraiment... Euh, le le gameplay gun, le est trop, trop bien, enfin, euh, parfait mélange entre, entre actions et quelques phases de réflexion, etc. Enfin vraiment... Les bruits des boutons, les bruits des boutons, bordel, pardon. Euh, ouais. J'arrête, j'arrête, j'arrête de vous saouler avec ça. Et d'ailleurs, c'était euh, la fin de la partie euh, mise à jour de cet épisode de Noscope numéro 47. On enchaîne très 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 rapidement avec les reports et c'est moi qui m'en charge. Turok 3, ouais, dont tout le monde sent contrefou et repoussé <coughs> au 30 novembre. Et Wizard ou Doom, qui est un rétro FPS, je suis sûr, j'ai même pas besoin de vérifier. <coughs> euh... like. Voilà, donc c'est un rétro FPS, merci Stuka, et lui aussi repoussé au 29 novembre. Euh, un jour euh, dont vous pourrez profiter de ce jour-là pour me souhaiter mon anniversaire. Voilà, c'est dit. Ensuite, on parle de la VR très rapidement avec Sniper Elite VR Winter Warrior qui, euh, qui nous fait quoi qui, qui veut en parler Est-ce qu'on en parle, ouais, qu on je, parle je en VR vite fait. C'est la suite donc, de Attention. Sniper Elite euh, que j'avais testé sur, euh, euh, sur Oculus Quest 2, enfin sur Meta Quest 2, il euh, y a je ne sais plus combien de temps, peut-être 2-3 ans, 2 ans au moins. Euh, et donc là, ils font une suite. Euh, ce qui est pas mal, c'est que là, ils montrent des images de Meta Quest 2 et non pas de MetaQuest 3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et euh, ça a l'air vachement plus joli euh, que, euh, que le premier, euh, qui était euh, franchement pas très beau. Hein. D'ailleurs, j'avais titré euh, le, euh, le jeu qui fait moche. Euh, un petit jeu de mots entre qui fait mouche et qui fait moche. Et donc, euh, donc euh, non, c'est un bon jeu, c'est des bons feelings et tout. Euh, donc, euh, ouais, pourquoi pas. Voilà. Ça a l'air sympa. Très bien. Eh bien, merci pour ce récap de l'actualité des simulateurs de meurtre, chers collègues. Et à quoi on passe maintenant, Estia On passe. bien, on passe. Attention, quiz. Et oui, alors je me suis planté et voilà, mais c'est pas grave. Attention, on passe au quiz. C'est le quiz, le quiz, quiz, quiz. Et cette fois-ci, j'ai préparé un petit truc. C'est que je vous montre les clés qu'on peut vous offrir et voilà donc, donc euh, celui qui gagne il peut réclamer une clé euh, de Dead Hook de Arma 3 euh, Spear, Spearhead, de Witchfire de Forgive Me Phaser, 2 de, de Bloodhound ou de The Invincible dont on parlera plus tard ouais alors attention Bloodhound c'est un cadeau euh, empoisonné hein, c'est de la merde mais euh, voilà ah mais faut si pas le dire ça merde, mais euh, non <laughs> oh. euh, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu nous as conco concocté comme, euh, comme quiz euh, Estia alors, qu'est-ce que j'ai concocté comme quiz Eh bien, en fait, comme j'étais malade, je me suis dit euh, tiens, on va parler des maladies dans les FPS. Et, uh -huh. euh, et donc voilà. Et donc, <coughs> donc, ça va consister en quoi le... Parce que moi, je n'ai pas très bien compris ce que tu m'as. Ouais, t'as pas très bien compris. Et après, j'ai que cinquante de quiz aussi. Donc... Ouais, voilà, c'est ça. Euh, bah, et en fait, je vais vous, vous parler euh, de maladies. Et, euh, et vous allez me dire dans quel FPS on peut trouver cette maladie ou ce virus ou ce, cette bactérie ou cette infection. Euh, voilà. Donc il y en a un petit peu. Euh, C'est juste qu'en fonction du, de, des égalités, on verra si on prolonge ou pas. Et puis il y aura peut-être des bonus à la fin euh, pour, pour savoir si vous êtes vraiment calé en maladie. Donc euh, voilà. Donc il faut juste que je rouvre ma petite fiche où j'avais mis... Ça, donc ça a rien compris euh, comme dame. Euh, en gros, c'est un quiz sur les maladies. <laughs> voilà, c'est euh, les maladies dans les FPS. Mm. Voilà, exactement. Voilà. Alors, euh, donc, je vais, je vais parler euh... un quiz en audio. En fait, où on va tousser et euh, vous allez devoir deviner, <laughs> ouais, de deviner quel quel, tu... quelle maladie c'est. Ouais exactement. Ouais. <laughs> Alors on va commencer avec... Euh, alors je vais dire le nom en anglais. Euh, il y a, des fois j'ai le nom en, en français aussi, mais ça va sans que vous aider. Et euh, avec euh, les symptômes. Donc là, en l'occurrence, pour la première maladie, je vais vous donner les symptômes et vous allez essayer de deviner quel est le jeu, enfin quel est le nom de la maladie et quel est le jeu qui a euh, cette maladie-là. Donc les premiers signes de l'infection se traduisent par des symptômes semblables à ceux de la grippe, généralement de la toux. À mesure que l'infection progresse, la personne devient pâle, blanche ou grise et cette information là c'est assez important puisque c'est dans le nom de la maladie alors ce n'est pas Dead wow. Island mmh. bon, pas moi je Half joue Life. pas mais euh... peut-être une idée moi mais Non as alors il pas... y a Grey dans le nom c'est Grey Death euh, pour l'instant personne ne l'a Far Cry 2 non eh non, on a, alors on l'a pas mis ce En fait, effectivement, c'était une bonne idée, mais je n'ai mis que les maladies fictives et pas les vraies maladies, Parce que dans Far Cry 2, c'était la malaria. Ah, et donc là, ah, on si. part de The Great Death et c'est euh, la peste grise. Euh, c'est un. Non, y a, dans le nom du jeu, il n'y a pas de couleur. Euh, c'est un jeu assez ancien, euh, sorti en 98-99, je ne sais plus. Un immersive sim. Ah, je crois que je vois. Et je vais vous montrer une image. Ah, j'ai oublié. Je vais vous montrer une image, mais ça peut-être pas vous aider. Mais... <laughs> voilà. Euh, ça c'est. Non, euh, dis on l'a déjà dit. Et et on a Belzaran qui a trouvé effectivement c'est Deus Ex. Voilà. Bonjour Dinofly. Et oui, c'est vrai que peu le, peu le complot de... c'est ça, c'est qu'il y a il y a une. Euh, ouais bah le gris flou quoi du coup et, euh, et voilà, du coup il y a Gold un Death, vaccin, Death, mais uh, du uh, coup et Death, Death, tout le monde n'y a pas accès, blablabla. Bla, bla. Donc c'est que pour les bourgeois, puis il y a un complot en mode, je ils n'auraient pas inventé la grippe pour que ensuite on achète le vaccin. Encore une fois, ils étaient précurseurs. Donc c'est c'est ça je note, je note, je suis parti pour noter. Alors... Je trappe mon superbe carnet. Alors là, pour la deuxième, j'ai une image aussi, mais je vais vous montrer. Je vais d'abord parler des symptômes. Euh, enfin non, c'est pas vraiment les symptômes, mais euh, c'est une recommandation du docteur Nounours qui en avait déjà parlé. Euh, <laughs> donc il préconise d'éviter les morsures, les bisous et euh, d'éviter les relations sexuelles avec euh, vos amis les infectés. Et euh, parce que euh, donc euh, ils sont sensibles aux UV. Et le nom c'est euh, le haran virus. Ah ouais. Ah, enfin, bah, bah, on a une ça. on a euh... ah attends non c'est dans et eh non. oui, Xobar non, a un trouvé. C'est pas Lot Non. C'est pas Dying Light. Ah oui, tu tu as raison. c'est Delta, ouais. C'est Delta qui a trouvé. Ah, eh, oui, c'est Delta 1941 qui a trouvé. Dying Light. Tout à fait. Oui. Très Avec bien. Daran euh, qui était confiné, voilà. bien sûr. Ouais. Alors, ensuite, le troisième, troisième c'est une bactérie. Le troisième, c'est une bactérie. Euh, les symptômes euh, grippaux aussi. Euh, et le truc, c'est que ça semble avoir complètement envahi la planète euh, sur laquelle on arrive. Euh, elle est décrite comme faisant partie de l'écosystème. Et euh, ça s'appelle Carabacterium. Et ah, là si je vous donne une image, par contre, là, ça va aller sans assez vite. À vos claviers, messieurs. Ouais. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, euh, Carabacterium Écoutez bien ce qu'il a dit au début, hein. il a bien, bien précisé quelque chose. Que ça env envahit toute la planète. Et, ouais. on, et on arrive oui, sur une planète Ouais, c'est bon, elle a trouvé la le... réponse. C'est euh, Bulin 7. Euh, qui a trouvé euh, C'est euh, ouais. Subnautica. Bravo. Effectivement. Alors j'hésitais avec ça et Natural Selection parce que c'est les mêmes devs et que les caras sont les. Ah sont oui, d'accord. Les... À chaque fois, le nom de sexe extraterrestre. Ok, d'accord. Mais quand tu as dit arriver sur une planète, du coup, j'ai su que c'était ouais, Le premier était cool, hein, Qu'on ouais, qu vous recommande euh, fortement. Alors, pour le quatrième. Resident Evil Subnautica. J'ai pas joué à Resident Evil Cell Subnautica Xobar, mais. Euh... Ouais, c'est un. J'attends le euh, test. Mmh. Euh, donc, les... le quatrième, ce sont des parasites. Ce sont des parasites qui prennent le contrôle du système nerveux des hôtes dans lesquels ils sont implantés. Euh, le... Les personnes infectées. Parce que parasites deviennent beaucoup plus fortes et très résistantes à la douleur, tout en travaillant collectivement à la poursuite de leur objectif. Et euh, <laughs> d'autres effets secondaires incluent la perte complète de raisonnement. Ah, Les alors, fans de Destiny. Alors attention, <laughs> c'est une euh, licence qui n'a pas, <laughs> pas eu que euh, des. Euh, c'est toute une licence. Une licence. Euh, rien compris à la phrase. Ouais, ce qui n'a pas eu que des que des épisodes en vue FPS. Ah. ah. Bah, Halo, il y a eu un jeu de stratégie Allo, mais t'aurais réagi. Si eh oui, c'est Xobar qui a trouvé. Effectivement. Ah donc c'est bien Allo. Bon, ben voilà, non, très bien. C'est Resident Evil. Et euh, ah. je parlais ah. des ah. plagas. Les plagas. Ah. Et Les Et plagas. Ouais. Euh, Parle-nous des plagas, c'est un petit peu. Ouais. Euh, ok. Ça se passe dans dans Déjà dans le 4, c'est pas ça déjà Ouais, dans le 4, yes, euh... ça, ouais, c'est ça. le 4. Ouais, ouais, ça. Ouais. 4 ah. Mais du coup, dans le 7, il n'y a pas non, de oh, ça J'en sais, sais rien. Mais comme euh, le. C'est Fantival 4, chose, il y a une version en VR, hein, dont on a fait le test sur Nofrag, ça, ça rentre dedans. Oui, oui, puis t'as le 7 qui est aussi en FPS, et le, oui, et le 8, 8 aussi d'ailleurs. Mm -hmm. Mais après, je ne sais pas s'il y a du Plagueus aussi va. dedans. Enfin, bah, ben, euh... Je sais, je ne crois pas. Je crois que c'est que dans le 4, ça. C'est pas très très faible. <laughs> <Je> suis... <laughs> Écoute, on t'enlève mais Jeanne. Je le somme comme ça. Euh, euh. Donc un point pour euh, Xobar. Donc, pour l'instant, on a égalité entre Valzaran, Delta 1941, Bulin 7 ah, okay. et Xobar. T'inquiète, on en a encore. J'espère alors... que as prévu 12 questions. Ouais, ouais, non, j'en ai oui, 9 et 2 bonus, donc ça va. Euh, ensuite, alors là, les symptômes, c'est que ça obstrue le champ de vision euh, de la personne atteinte. Et euh, ça apporte atteinte aussi à ses mouvements. Et ça lui cause des dégâts. Euh, et ça s'appelle le Nova 6. Ah mais bah oui. Alors là, ah moi, j'ai pas, ouais. pas. Ah merde. Non, ce n'est pas ah merde. Mais la merde, c'est vrai que ça... ça... <rire> <rire> tu vois moins bien. Quand tu as de la merde dans chose. les yeux, c'est... Ouais. Et ah donc, c euh, Delta 1941 a trouvé. C'est un... C'est du call okay. off, ouais. Oui, Alors oui. c'est entre autres Black oui. Ops 1, ouais, mais il y a aussi euh, Black Ops 3 euh, et Black Ops Cold War. Enfin, oui, donc Black Ops c'est le premier, effectivement, où il y avait Nova 6. Voilà. Alors... Ah il ouais, y en a, <coughs> qui aiment, y en a qui du jeu là. Alors bon là, jeu, pour, le, pour le suivant, ça va aller assez vite. Euh, c'est un virus... Euh, le virus est une souche mutée de celui de la rage. Et ça s'appelle... Euh, ah non, je vais mettre l'image. Par contre, je vais mettre l'image et hop là, voilà. Oh, bon, bah, de toute façon le nom est dessus. Donc euh, vous allez trouver sans doute rapidement. Mmh? Non, vous rien. Bah, euh, il n'y a pas le nom donc, du jeu. La... Non, il n'y a pas le nom du jeu. Il y a le nom du ouais, euh, ouais. du problème. C'est Green Flu. Donc là. Bah, la, je ne veux la, pas la dire, verte. pour ne pas aider nos, nos spectateurs, moi je pense à un truc, mais je ne sais pas si c'est ça. Et Delta 1941. Oui, c'est ça, c'est la Fordead, for Dead. La ouais. for dead, effectivement. Ah bon oui. Ouais, c'est bah, cool. Qui rend les gens euh, enragés, etc. <laughs> Exactement, c'est dérivé, euh, ouais, dérivé de la rage, effectivement. Et il y a même... Il y a beaucoup de narration environnementale, et notamment euh, via des, 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 des euh, tags et des choses écrites sur les murs euh, près des... Des safe zones, et euh, tu as des trucs du genre euh, avec euh, bah, c'est euh, venu des, du cochon, machin, etc. Tu et as plein de, plein de phrases là-dessus euh, qui, euh, qui parlent de ça ou qui parlent du pourcentage d'infectés, etc. C'est C'est pas mal, Grande maîtrise de, de Valve de, de ouais, manière générale sur le, sur le. Comment tu as dit Comment on dit déjà La narration environnementale. Le... environnementale. La narration environnementale. Alors, pour le prochain, je vais vous parler des symptômes et ensuite, je vous montrerai une image. Euh, le suivant, donc, ça provoque de la toux, une perte de poids, décoloration de la peau et euh, une hémorragie sous-conjonctivale, c'est-à-dire du sang qui coule par les yeux. Et Xobar a trouvé, ah. c'est effectivement Dishonored. j'ai même pas eu le temps de montrer. Ah, J'aurais dit Prey, sinon, mais... Dit quoi mais du coup, ouais, Prey. Donc, coule des yeux aussi Ouais, mais euh, euh... en fait, il n'y a pas de virus. Ouais, ouais, non, pas non, virus. non, non, c'était bien. Il n'y a pas de virus. Dishonored, Dishonored. ouais, t'aurais dit Ebola, effectivement. Et ça, je sais pas si vous vous rappelez, <laughs> euh, ce genre de, de message mm -hmm. était, placardé sur, euh, était placardé sur les, les maisons qui étaient oui. fermées euh, dans euh, Dishonored pour dire que euh, tu pouvais pas euh, y aller. Alors, on on dès, tente... que tu, euh, dès que tu parles de peste ou de rage, c'est vrai que ce, ce jeu revient souvent. Tout de suite, tu le sors, quoi, c'est un classique ou de rat. c'est euh... la peste ah du rat, attente. Vrai, mais là, la ce n'est pas une peste, ouais. mmh, tout à fait. en attente de Dishonored 3 effectivement Voilà. Oui. alors la suivante c'est euh, là je vais donner euh, pareil les symptômes donc la peau commence à devenir rouge ou noire et on perd ses cheveux et que des, cri des cristaux sortent de la peau des cristaux ah, sortent, ouais, des de sortent de la peau. de la peau. Je dois avoir cette maladie pour les cheveux. Moi. <laughs> et ça s'appelle Scorch Plague, <laughs> ou alors la peste brûlante. Bizarre, et c'est xobar, xobar qui Christen. trouve Fallout 76. Effectivement, c'est Fallout 76. Voilà, bravo. Ouh là là, nous oh, avons bon, une xobar. égalité. Ah, d'accord. Une égalité entre Delta 1941 et Xobar. ok donc, euh, on va passer à la suivante. Alors, les. Le suivant. C'est la dernière, on est d'accord Ouais, c'est la dernière. Mais après, bon, il y a éventuellement deux autres trucs. Voilà. Donc, euh, ce, ce, cette maladie provoque une douleur indescriptible, et tandis que ses capacités mentales diminuent progressivement jusqu'à ce que l'autre soit totalement incapable de parler correctement. Cyril Hanouna. Ah non, 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 putain, pardon. Non, ah, je pas le... prêt, non. mais il n'y a pas de... Ouais, jouer à la console, ça marche pas. la voilà. console, <laughs> <Sur> <laughs> très, très, très joli. Très, joli, très Et euh, c'est Gotax qui enfin, le trouve, effectivement. C'est Dead Island. Waouh, le premier point de l'histoire de Noscope pour Gotax, quoi. Non, c'est pas vrai. Il, bravo, a, a, il a eu aussi ouais, euh, le jour où on avait des égalités et qu'on a... <laughs> Ouais. Ah oui, qu'il a donné non, son t-shirt à... au Madib. Non, c'était pas ouais, ça c'est ça, oui. Tout à fait. Eh bien, on reste avec une égalité entre Clobar et Delta 1941. Tu ne nous arranges pas, Kotax. Ouais. <laughs> Alors, on va continuer. Euh, là, par contre, je vais juste avoir le nom et vous allez devoir trouver euh, de quel jeu ça s'est se, tiré. Et donc, la maladie s'appelle euh, Skull Shivers. Cool, quoi School, Skull, Shivers. Skull, ah. Shivers, donc euh, le crâne et euh, Shivers, euh, tremblements. Les frisson. Ça. Skull, Shivers, ouais. ouais, c'est ça, les frissons. C'est Xobar, et c'est Xobar qui remporte. C'est Xobar qui ah là remporte. Ah là là, bravo. Bravo, Xobar. Exactement, bravo. Bordeaux-Landes, t'as des maladies là, tu... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je, ouais. Euh, je... Mais, en à fait, quel euh... moment il y a des maladies et eh ben ça doit être dans des dialogues parce que j'ai trouvé euh, ni image ni description. Ah c'est la raison tout. de l'apocalypse la, de Je sais pas. Et sinon alors il y a okay. une autre, j'ai une dernière maladie bonus bon ça compte pas pour celle-là mais euh, du coup euh, si vous êtes chaud, euh, dans quel jeu peut se trouver euh, le turbo cancer <rire> <rire> euh, Philippe Maurice <laughs> non oh merde. Le turbo cancer, ils ouais, n'étant tu... pas de les gars ou c'est quoi là <laughs> Le turbo, turbo cancer. C'est un piège en plus. Hein. C'est magnifique. C'est un... un nom d'album de musique ça. Mmh. Turbo cancer. Pas... Turbo cancer. Ouais c'est. Euh... Mmh. Un indice, un indice. Un indice, a... c'est un jeu dont on a déjà parlé dans euh, la liste. Un groupe de punk qui s'appelle Cancer Bats. Pardon. Ah oui ouais, ouais plutôt ah là, là. personne ne trouve pour Turbo Cancer et j'ai pas plus de précision que ça Turbo Cancer euh, comme bah, ouais, Dinofly dino a raison c'est Borderlands également Oh, oh là, là, euh, là 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 c'est bah, ouais, bah, ça, bah, ça, ça colle bien avec le ton quand même de Borderlands Turbo Cancer c'est vrai voilà bon bah, Dinofly pour ce pour ce bonus qui ne compte pas du coup mais euh, voilà donc c'est Xobar qui, qui a gagné euh, encore il a fait. gagné et donc mmh. il coup, viendra ce... réclamer sa, son jeu ouais son jeu effectivement mais il avait déjà gagné la dernière fois je crois et bah, il a le droit à un oui. nouveau jeu bravo c'est euh, noël je avant noël. Je, <laughs> noël je remets la liste là tu, veux... tu peux choisir oh, bon. Blood apparemment, hein, Blood Blood <laughs> apparemment Bloodhound il est très très chouette <laughs> alors attends je te préviens pour The Invincible est-ce que tu as bien lu la preview que j'avais faite parce que c'est <laughs> c'est quand même euh, c'est un simulateur de powerpoint hein. je voilà que tu sois je en, à... en tout à l'heure oui c'est vrai ah bah quelle magnifique transition est-ce qu'on pourrait pas en parler maintenant non tu préfères en p tu préfères <laughs> nous parler après ce quiz tu préfères nous parler d'un jeu que vous attendez tous pas que vous attendez tous que vous avez tous attendu pardon tous les ans devant le sapin de noël vous l'attendez c'est call <laughs> of duty le, of le duty quiz, de le coup de cette j'ai ah, le jingle sur toi. Pardon. Tu désolé. On oh, ne me coupe pas la parole. Euh, donc ouais, super transition complètement foirée. Je pense, euh, dans l'histoire des transitions foirées, elle est dans le top 3. Estia, euh, tu vas nous parler de Modern Warfare 3. Oui, qu'est-ce qu -ce que, que c'est Modern Warfare 3 Mais déjà Qu'est-ce que c'est Alors attendez, je vais trouver euh, le conducteur parce que j'ai mis une petite vidéo. Euh, où est-ce qu'on est là ah oui, c'est là. On est, euh, on est là, on est après le quiz, tiens. On est là, on est là, et euh, comme on, on est, là, est là, toujours, là, toujours présent. Exactement. Toujours présent pour vous parler de l'actualité des FPS qui sortent tous les ans à Noël. Euh, à Noël, entre autres, ouais. Euh, donc là, Modern Warfare 3. Alors, qu'est-ce que c'est, Call of Duty euh, 20, Modern Warfare 3 C'est la suite de Call of Duty 19, Modern Warfare 2, qui était la suite de Call of Duty euh, Modern Warfare, lui-même, le remaster. Euh, le remake, pardon, de Call of Duty Modern Warfare non, 4. Oui, si, si. c'est ça, euh, je ne me suis pas trompé. Mais Donc, en gros, on est sur une suite de suite de remake et non pas le remake. Une suite, puisque ce n'est pas le remake de euh, Call of Duty Modern Warfare 2. Non, non, seulement pour la partie multijoueur où on reprend les... Euh... Euh, non, pardon, de Modern Warfare 3, c'est ça. C'est le remake aussi de Call of Duty Modern Warfare 2 sorti en 2009. Qui, euh, Et pas qui celui avait... sorti en 2019 ou 2018. Bah, exactement. Ouais. Enfin, on n'y comprend euh, rien. Bah, Il faut suivre. Enfin bon. Donc, au niveau du solo, je vais expédier ça assez rapidement. Effectivement, vous l'avez lu partout. C'est de la merde. Euh, C'est très court. Euh, ça n'apporte rien. Il euh, y a des missions. C'est euh, genre. Euh le mode DMZ ou le mode Warzone, mais en solo contre des bots uniquement. Enfin, euh, c'est vraiment à chier. Il euh, y a des petites missions, euh, bon, euh, comme dans tous les autres Call of, quoi. Je veux dire, ça casse pas trois patins à canard. C'est euh, bah, du Call of, euh, voilà. Euh, c'est turbo débile au niveau du scénario. Euh, euh, voilà, évidemment, tu es invincible quand tu fais ta mission, mais si tu es en cinématique, il bah, y a un, un bonhomme majeur qui crève. Ouais, bon, d'accord, bon, bah, c'est complètement con. Enfin bon. Voilà, euh, n'achetez pas euh, Modern Faire 3 pour le solo, ça c'est sûr. Ensuite, euh, le multi. Le multi, c'est un peu différent. C'est que euh, ils, sont, ils se sont dit, tiens, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer un petit peu Parce que euh, cette fois-ci, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler dessus. Contrairement aux autres fois où il y avait 3 ans pour développer et là on n'a qu'un an et demi. Euh, vite, 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 il faut faire des maps. Bon, euh, j'ai une idée, on va reprendre les maps de Call of Duty Modern Warfare 2 qui est sorti en 2009 parce que, euh, apparemment, les gens ont bien aimé et euh, on va juste les, les mettre un peu au goût du jour euh, graphiquement et les modifier un petit peu histoire de dire qu'on a bossé dessus. Et voilà. Et euh, donc, bah, ça y est, ça fait toutes les maps multi de Modern Warfare 3. Ce sont celles qui étaient présentes dans le Modern Warfare 2 de 2009. Et, euh, et en fait, c'est plutôt cool plutôt cool surtout quand on a joué au jeu 2009 euh, ce qui a été mon cas d'ailleurs c'est pour ça euh, que j'ai été euh, euh, désigné volontaire d'office euh, désigné volontaire pour mm -hmm. faire le test de Modern Warfare parce que j'étais le le seul à avoir un peu joué à Call of Duty euh, de, à la rédac en tout cas euh, en ce moment donc voilà et euh, je dois avouer que non c'est plutôt sympa euh, de retrouver ces cartes euh, c'est c'est nostalgique à fond mais, euh, mais ça fonctionne en fait. Euh, et euh, bon, alors je vais parler vite fait aussi des modes de jeu, forcément. Donc il y a les modes de jeu assez classiques euh, que vous, enfin, euh, où on doit capturer les drapeaux, euh, où, enfin les drapeaux, les, les zones. Euh, du team deathmatch, du deathmatch etc euh, et il y a un nouveau mode de jeu qui est sympa qui s'appelle coupe gorge où là on est en 3v3 v3 où on doit juste tuer les équipes adverses et euh, c'est un, un, un temps euh, qui est très très court euh, donc c'est d'ailleurs ce, ce que je montre là en vidéo le temps est très très court et euh, au bout de, 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 du timer on a, euh, y a en fait on peut aller capturer un drapeau en genre en 3-4 secondes et ça, ça, ça permet de terminer le, terminer la, 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 le match donc c'est hyper dynamique, c'est euh, du coup ça rafraîchit un petit peu le, 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 le gameplay. Euh, après moi je trouve que le TTK est toujours assez long, parce que donc là c'est en mode classique uniquement, euh, ce mode coupe-gorge. Et moi j'ai vraiment du mal avec le TTK euh, de base de, de Call of Duty, euh, sachant que pour ceux qui ont joué à la. Au, au, à La version de l'année précédente, donc euh, que le 19 modèle va faire 20, euh, modèle va faire 2, euh, c'était euh, le TTK a été augmenté de 50%, donc on passe en gros à 150 points de vie alors qu'avant c'était 100. Voilà, c'est ce que dit Xobar justement. Euh, et donc, moi je, je suis pas trop trop fan, je, je suis pas très très bon pour viser en général. Et euh, là, euh, effectivement, je trouve que ça avantage encore plus, je pense, euh, les joueurs consoles qui ont vraiment le temps d'aligner avec euh, leur Aimbot. Euh, et du coup, sur la, sur la longueur, en fait, euh, l'Aimbot, bah, il reste sur toi. Donc, toi, bah, il faut que ta souris, tu la gardes sur l'ennemi. Donc, c'est là qu'il y a une différence. Euh, c'est pour ça que... Tu peux donc, pas là, choisir en multi de ne pas faire de crossplay Alors non, tu n'as pas le droit. Il n'y a que les joueurs PlayStation ah. qui ont le droit de euh, désactiver le crossplay. En, ah, yes. en, sur PC ou Xbox, tu n'as pas le droit, tu t es obligé d'être en crossplay. C'est génial. Euh, ce alors, pour autant, euh, du coup, moi, je, je me suis rabattu, enfin, rabattu, j'ai lancé les modes hardcore, et euh, les modes hardcore, au final, euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, parce que euh, là, ça récompense plus vraiment euh, le skill en termes de... Enfin, euh, tu vois le mec, tu cliques sur sa tête, tu c'est vraiment ce principe-là, un peu comme de l'instagib que tu pourrais trouver sur du quake ou un truc comme ça. Et j'aime bien ce feeling-là, c'est-à-dire que là vraiment tu n'as pas besoin de, de vider tout ton chargeur dans le mec, quoi. C'est une ou deux balles et ça suffit. Et ça c'est c'est un sentiment que je trouve vraiment agréable. Tu réussis à faire des trucs, tu réussis à faire des kills. Et en plus, je pense que c'est es avantagé par rapport aux consoles. Donc, ce qui rééquilibre un petit peu peut-être la chose. Ou alors même qui, qui déséquilibre en faveur du PC, je ne sais pas. Euh, en tout cas, moi, j'apprécie euh, le mode hardcore. Et euh, j'ai pas honte de le dire. Euh, je m'amuse bien euh, en mode hardcore sur Call of Duty euh, 20, Model Enfer 3. Et euh, d'ailleurs, là, ce qu'on peut voir, c'est. Alors c'est du euh, mêlée général, c'est-à-dire que là tu es contre tout le monde et euh, moi j'ai pas un niveau euh, de fou hein, Et là je vous montre que j'ai réussi à faire une élimination de genre, genre une dizaine de bonhommes en euh, mêlée général, ce qui paraît un petit peu compliqué parce que tu dis qu'il y a des ennemis un peu partout. Mais là du coup j'ai réussi à débloquer euh, genre le, le truc bien cheaté qui est le euh, l'hélicoptère qui te suit un petit peu au-dessus de toi et qui va tirer sur tous les ennemis autour. Euh, enfin c'est toujours assez rigolo hein, évidemment. Mais, euh, mais c'est. Voilà. Ouais, c'est n'importe quoi, c'est dynamique. Ouais, et voilà, c'est mais... hyper dynamique. C'est-à-dire que tu peux sauter et faire un headshot en, en sautant, euh, puisque de toute façon, n'importe quelle balle de n'importe quelle arme va instantanément tuer le mec. Donc euh, là, tu vois, par exemple, j'ai un SMG. Le SMG ne fait pas beaucoup de dégâts, sans doute, par rapport au fusil d'assaut. Mais euh, bah, pour, en mode hardcore, tu tues tu les mecs quand même hyper facilement. Donc voilà, c'est assez satisfaisant. T'as plein plein d'armes évidemment, tous tes trucs à débloquer, le machin. Donc t'as toujours envie de continuer un petit peu pour, pour débloquer la prochaine arme ou, ou le prochain, prochain accessoire pour mettre sur ton arme. Euh, on va pas se mentir, les animations sont toujours folles. C'est des mecs qui savent faire quoi. Ou en tout cas, ils savent reprendre les animations des précédents devs. Euh, et, et puis, ouais, le feeling est là. Enfin, ça marche bien, quoi. Euh, Xover nous dit que tout à fond le jeu est beau effectivement euh, moi je trouve pas ça très beau mais j'ai pas un pc super puissant donc j'ai pas, euh, pas mis très très haut euh, en termes de, 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 de visuel euh, mais en tout cas j'ai pas eu de drop de fps d'ailleurs vous pouvez voir que c'est capé à 60 fps parce que j'ai un écran 60 fps et euh, donc euh, moi ça me convient bien euh, voilà donc le mode hardcore comme je vous ai dit j'ai bien apprécié euh, je vais parler un petit peu du mode zombie puisque le mode zombie fait son retour. Euh, et qu'est-ce que je peux dire sur le mode zombie Alors je vous ai pas montré d'image, mais globalement, euh, moi je suis assez déçu parce que euh, en gros c'est un mode DMZ mais uniquement en coop, c'est-à-dire que il y a d'autres équipes sur la grande map de DMZ, mais sur une, enfin c'est une nouvelle map qui sera d'ailleurs, je crois, la prochaine map de DMZ. Euh Enfin, du, de Warzone. De Warzone, ouais. Euh, et oui, de, de Warzone plus que des effectivement. Euh, et donc, le truc, c'est qu'il bah, y a d'autres équipes, sauf que bah, tu es allié avec eux, tu peux pas leur tirer dessus, quoi. Et les seuls ennemis, mmh. c'est euh, les zombies. Alors, on a testé quelques. Ouais, c'est rigolo, ça. Alors, ouais, mais en fait, c'est hyper chiant. Enfin, c'est hyper chiant. C'est que. Euh, alors, j'ai te testé avec Zobar qui est avec nous, là, sur le chat. Hein. Donc, euh, on a fait plusieurs parties avec lui, avec Wild Monkey et avec. Euh, je ne sais plus avec qui d'autre. Euh, mais on était trois pour une partie sur, sur les, avec les zombies euh, effectivement quand on reste sur, en fait en gros il y a plusieurs, il y a, il y a plusieurs zones euh, en gros c'est au milieu c'est la zone rouge, il doit y avoir des ennemis vraiment très forts autour il y a des, des ennemis un peu moins forts et à l'extérieur c'est là où on pop, et bah, ouais, avec c'est ouais. euh, là où il y a des ennemis vraiment faciles et bon il y a des contrats comme dans, dans DMZ ou comme dans Warzone euh, c'est pas passionnant du tout, c'est vraiment hyper chiant. Euh, tu, voilà, et effectivement, quand tu vas chercher un peu plus la difficulté, que tu es avec euh, deux autres potes, là c'est un peu plus intéressant parce qu'effectivement tu vas avoir un peu plus de challenge, etc. Euh, mais bon, je trouve quand même ça vraiment très très feignant. Euh, on sent que pff, ils ont mis ça en se disant Ouais, tiens, euh, voilà, euh, ouais, c'est trop bien. On fait un DMZ euh, contre, des, contre des zombies et tout. En vrai, euh, ça apporte pas grand chose, je trouve. Euh, Par contre, je pense que ça doit être pas mal joué parce que ça permet de débloquer plein d'armes. Puisque toutes les armes que tu vas jouer ou que tu vas pouvoir découvrir dans ce mode de jeu, là, si tu les ramènes, bah, tu les débloques pour le mode multi. Quoi. Donc, forcément, euh, je pense que les gens euh, vont, vont faire ça pour débloquer dé les, dé les jeux. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, sur le mode zombie euh, Apparemment, il y a quand même une sorte de scénario. Euh, qui se débloque euh, quand tu grindes des trucs, donc euh, bon, clairement c'est pas le truc que je vais faire, mais euh, peut-être qu'il y a des trucs un peu plus intéressants, entre guillemets, hein, puisque euh, je crois qu'il y a des grands fans des, des, des modes de zombies, euh, des précédents jeux, sur, principalement sur Black Ops, et euh, je crois que ça a été initié d'ailleurs dans World at War, donc le Call of Duty 5, le premier de Treyarch. Et euh, donc voilà, apparemment il y a une, tout un lore autour de ça, etc. Donc peut-être qu'il y, euh, y, y a des trucs qui vont être expliqués ou euh, des, des missions spéciales, etc., qui vont être, euh, qui vont être proposées. Mais on s'en fout complètement, on est d'accord. Mais voilà, ouais, peut-être que ça va plaire à, certains, à certaines personnes, mais en tout cas moi, ça me peut pas missionner. Donc voilà, donc en gros, euh, pour 70 balles, puisque c'est le, le prix du jeu quand même, euh, je trouve que c'est un, euh, un peu abusé, parce que euh, pour moi, ce qui me plaît globalement, c'est le mode hardcore, mais qui doit pas être très différent de ce que propose Modern Warfare 2 euh, donc de, 2010, euh, de 2022. Euh, sauf que les maps sont celles de Modern Warfare 2 de 2009. Donc ça, euh, voilà, c'est cool. Mais franchement, 70 balles, c'est vraiment abusé. Quoi. Donc voilà, euh, ouais, 40 mmh. euros, pourquoi pas. En DLC du précédent, oui, oui ça aurait été bien. Mais, euh, mais là, je trouve que c'est un peu limite. Quoi. Donc voilà, bon feeling, un peu cher. Euh, merci, bonsoir. <laughs> euh, merci Estia pour ce récap très complet euh, et très cool euh, de ce modern warfare qu'on ne conseille pas vraiment vraiment du coup euh, ah. un peu trop de redites et c'est cool mais 70 balles ça fait mal au cul quoi c'est ouais, ça, quoi. ça ouais. euh, surtout qu'on avait eu des espoirs que enfin ils comprennent la leçon et qu'ils ne sortent pas de Call of cette année et qu'ils ouais. patientent et puis, en fait, non, ils n'ont pas pu résister. Et en même temps, euh, j'ai pas vu les courbes, mais je pense que, bon, même si ça va peut-être pas être le jeu le plus bourré de la fin de l'année, je pense qu'ils vont quand même en vendre des, des milliers de copies. donc ouais, oui, euh, ce beaucoup moins que le précédent, voilà. par contre. Hein. Euh, ouais, mais quand même, ça, tu vois, ouais. 70 balles, même s'ils si ouais. en vendent peut-être deux fois moins, ça fait, quand même, ça fait quand même des millions à la fin pour Bobby. À qui on dit au revoir, parce que ça sera ses, ses derniers millions. Euh, avant qu'ils rejoignent probablement un autre studio euh, ou qu'ils fassent oui. des conférences euh, pour nous expliquer comment euh, extorquer de l'argent aux pigeons. Euh, merci, donc encore Estia, euh, pour, pour ce, petit, ce petit récap du test de Modern Warfare 3. On va passer à la robotique. On est c'est une émission euh, une émission euh, teintée de robots euh, puisqu'on va parler de Robocop et de Roboquest qu'il ne faut Alors, pas confondre. Exactement. Ouais. Là attends. Oui on parle on, on parle duquel du coup là. On, ah, attendez, de, de, de robo, on peut parler de Robocop le, le roguelite Light euh, ça peut être pas mal. <rire> <Ouais>. <rire> de, non, RoboQuest, on, euh... on... de Roboquest le simulateur de flic. Euh, attendez non je confonds. Euh, c'est ah, compliqué N'oubliez hein. pas qu'on n'a pas beaucoup de, de QI hein, dans la oui. on est, euh, ouais. c est Et En plus compliqué. là, c'est pour jouer à un flic robot, donc encore, le QI est encore plus euh... est bon, bon. Bref, euh, Allez, non, je vais parlons de... de Robocop de... euh, maintenant. Robo... Ah, Robocop, ok, d'accord. Je vais vous parler de. Robocop. Non, Robocop, quoi, Robocop, c'est Robocop. Je préfère Robocop. C est, c est... Je sais pas. Je, tout cas, tu veux, vas tu veux le Robocop Sinon, on parle de trucs. Allez, je vous parle de Robocop. Vous quoi Non, pardon. Alors, vas-y, Robocop. Allez, Robocop. Euh, bah, Robocop que j'ai testé en lot, en large, en travers. Mm -hmm. euh, avec euh, avec bah, tout seul, parce que c'est une aventure solo, du coup. Avec moi, tout seul, avec moi-même. Euh, donc, voilà, j'étais en compagnie de de la Redac et, et, et de chers viewers, justement, euh, avec les streams, les streams que j'ai pu faire. Euh, bah écoutez, euh, que dire sur ce jeu Donc on n'avait euh, pas euh, euh, de, de très bons avis euh, sur, sur les premières images qu'on avait vues. Hein. On, on voyait clairement qu'on était euh, un tank euh, sur pattes et, euh, et qu'on marchait à tout va et on, on se prenait des balles, on sentait rien et on butait. Euh, on, on pouvait exploser des têtes. C'est vraiment la première sensation qu'on avait eu euh, quand on avait vu les, les premières images. Euh, bah écoutez, c'est le cas, c'est le cas en fait dans le jeu solo. Donc on est un putain de tank. Euh, j'ai fait le jeu en difficile, j'ai clairement pas galéré du tout. J'ai dû mourir 3-4 fois sur, sur le... Deux fois dans, avec le boss de fin et sinon deux fois euh, bêtement quoi, mais euh, mais voilà, bon écoutez après euh, bah, je sais pas, il, il est, le jeu est bien, voilà, franchement je vais, vais faire je vais faire court, le jeu est cool. Euh, C'est un bon jeu. Euh, mais euh, si vous êtes ouais voilà si vous êtes un nostalgique un grand nostalgique de, de cette époque de ces années 90 si vous êtes nostalgique euh, si vous avez aimé, aimé cette franchise euh, aimé Robocop hein, tout simplement euh, cette, cette icône, ouais franchement c'est cool parce qu'on retrouve vraiment euh, bah, plein 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 de choses euh, la totalité des des des, bah, des, des en fait du film hein, euh, que les sons les voix l'ambiance les musiques même les dialogues parfois c'est un, un bon jeu parce que la... la... La question, enfin l'interrogation, le, le, c'était est-ce euh, euh, que, est que ça va être cool de jouer un, un tank comme tu l'as dit, genre euh, où tu t'encaisses les balles et il n'y a aucun souci et où tu as lauto aim euh, qui, qui est incorporé dans l'univers, quoi, enfin qui est légitime ouais, dans bah l'univers, où du coup, en gros, tu es en, en train de jouer un peu en mode cheaté et on était beaucoup à se dire, euh, mais ça va être super chiant en fait, où d'un moment, tu n'as aucun challenge. Évidemment, comme quand tu joues un, avec des cheat codes un jeu multijoueur, on vous revoit à l'interview d'un cheater qui avait réalisé de Nounours. D'ailleurs, euh, voilà, tu n'as plus de challenge parce que tu sais que tu vas gagner. Et, et comment, comment, du coup, on en, on en vient à ce que tu as dit, c'est un bon jeu Alors, c'est un, ce bon un bon jeu quand tu parles serai là. Moi, quand je vois la, la vidéo, vidéo je me dis... Euh... Ouais, pardon ça. Pardon. Bon, déjà, c'est un FPS, donc ça, c'est bien. On est... Sinon, on ne le testerait pas. Euh... Après, je vais aussi répondre à la, à la question si on ne connaît pas particulièrement Robocop, est-ce que c'est bien quand même eh ben, c'est bien, euh, en fait, sur. Euh, c'est un jeu que j'ai vraiment aimé, mais en dents de scie. Euh, déjà, j'aime particulièrement. Euh, enfin, J'aimais ai, bien Robocop, déjà, de base. Mais euh, j'ai bien aimé, c'est ce, vraiment les, les phases de combat, Même si euh, ça reste un peu répétitif, euh, on a toujours un peu les mêmes mécaniques. Euh, des, des mécaniques euh, assez vieilles. Et après, voilà, un, des couloirs, une grande pièce, on nettoie la pièce, on avance à la prochaine, euh, au prochain couloir. Euh, et après la prochaine pièce on, on clean, etc. Mais franchement c'est violent, c'est bourrin. Et je pense que c'est la, la, ce la, voilà, ce la plupart des gens, c'est ce que la Voilà, c'est ce qu'attendait la plupart des gens. Parce que bah ouais, les films, je sais pas si vous avez vu Robocop, mais c'était quand même assez violent euh, pour, pour l'époque. Donc là, bah, c'est du, c est, c est du, c'est bourrin. En fait. et, et moi, c'est ça bah, qui m'a plu. Euh, C'était donc Paul Verhoeven. Euh, j'ai plus, j'ai plus l'année de sortie euh, du film. Mais c'est grosses critiques. Enfin, ça fait partie de ces films. Il euh, y en a pas d'autres là qui me viennent, mais il y en a eu plein, euh, bah, pas que de ce réel là Non, non, mais je pensais 87. pas que forcément à Paul, Paul Verhoeven, ah, oui, mais oui. Starship Troopers, l'exemple parfait de euh, critique de la violence en montrant la violence, et qui du coup, un peu comme quand Tarantino faisait un petit peu ça aussi à un certain moment. Les gens comprenaient pas, euh, genre, ah, mais du coup, euh, non, il met hyper en, euh, en scène la violence, du coup, ça la rend belle et tout. Et en fait, non, parce que si tu lis, enfin, si tu écoutes aussi les dialogues, le etc., à chaque fois, c'est horrible ce qui se passe. Donc, Robocop, en l'occurrence, énorme critique de la militarisation euh, de la police ou de la militarisation de manière générale de la société, grosse critique de la violence, etc., euh, de, de l'extrême ouais, de, de droite, on peut y voir aussi un parallèle là-dessus, etc. Euh. Du coup, ça, tu nous dis que c'est retranscrit, euh, en enfin, au final, euh, dans, dans, dans le jeu aussi, quoi. Ah oui, mais tout à fait, tout à fait. Bah déjà, alors, au niveau des combats, euh, déjà, moi, le fait d'être une machine euh, confrontée à des humains, bah, vraiment, c'est des, des poupées de cire. Hein. Donc on, on en fait ce qu'on veut. Hein. Donc on leur explose la tête, les bras. les Mais le moi, j'arrive de... pas à comprendre le truc où ça devient intéressant. Enfin, c'est-à-dire si, tu vois, en fait, mmh. par exemple, comme dans. Euh... Dans Doom, enfin euh, les remakes, enfin pas, pas les remakes, ouais. mais les deux derniers, où as les finish moves qui ont ce truc-là de c'est d'attraper, euh, le gars au corps à corps, lui exploser les yeux, je sais pas trop quoi, pour récupérer de la vie. C'est des moments ponctuels dans le jeu. Du coup, c'est ça qui est, peut être gratifiant et qui peut être grisant. Euh, là, du coup, si c'est tout le temps comme ça, est-ce qu'au bout d'un moment, très rapidement, tu te lasses pas euh... Si, mais tout à fait. tu te, tu te lasses, tu, tu te lasses quand même. Euh... Surtout quand voilà, comme j'ai dit, c'est des mécaniques que, que tout le monde connaît. Vous voyez, là, je suis en train de nettoyer une pièce. Et bien ça, ça arrive tout le temps. Parce qu'à chaque fois, on arrive devant une porte où on doit euh, la péter. Donc, on faut juste appuyer sur la touche. On a cette animation qu'on ne contrôle rien. Et là, tout de suite, le slow motion, on tue euh, vite fait, euh, on vise les têtes. Et puis voilà, c'est terminé. Donc là, on a, on a la mission qui se termine, la vidéo et compagnie. Ah, ça, enfin, en ça c'est ouais. un Mais mais, et, et, mais euh, il, a, il est bien. Donc, euh, les scènes, les, les, vraiment les combats sont, sont, je vais pas dire intéressants, mais voilà, c'est vraiment des défouloirs. Après, euh, en termes en de. En fait, c'est le côté défouloir qui est cool, quoi, en fait. Ouais. C'est le côté défouloir qui ouais. est cool. Euh, le, 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 côté, euh, le côté visuel, parce que vraiment, on retrouve vraiment ces, ces, ces années 90, en fait. Mais tout est respecté. Euh, je vous dis, les mimiques, les dialogues et compagnie, et voilà. Après, euh, après c'est c'est pas un jeu AAA, c'est un jeu c'est A je crois. Et et on voit quand même qu'il y a beaucoup de retard quand tu vois les, la synchro labiale elle est dégueulasse euh, je vais pas dire pire que Starfield quand même mais euh, c'est tu vois que c'est tu vois que c un c'est un moteur qui a du retard c'est c'est ils ont bon, fait avec ce mais, mais c'est quand même assez réussi même si c'est le Durian Engine 5 euh, mm. ouais il y a pas mal de bah, ah, je sais fait... pas il y, y, y a des trucs bien des trucs moins bien mais après ça reste vraiment euh, vraiment, on dirait qu'on fait un jeu euh, des années euh, 90, mais vraiment en mode Full HD, et compagnie, quoi, sous Nerin Gen 5. Quoi. Donc ça, vraiment, euh, ce, ce côté-là, il est respecté à la lettre. Et je pense ouais. que c'était aussi voulu, c'était hein, des le, développeurs de, de faire ça. Après, les parties chiantes, euh, ce sont toutes ces quêtes euh, annexes euh, qui servent à rien, euh, et qui ressemblent toujours... Aux, en gros, il faut aller buter euh, un mini-boss ou... Euh, euh, ou aller sauver un chat, euh, que, que des trucs comme ça quoi des trucs totalement inutiles, chat. en plus qu'on doit aller d'un point A à un point B dans, et dans euh, monde, une dans fois qu'on des... arrive au point B la mission est, est terminée, ouvert, il faut en revenir hein c'est Juste pour préciser c'est dans, dans, dans des zones qui sont un peu ouvertes, un peu minimum monde c'est donc en gros, en, en gros on a une grosse zone ouverte, un peu une partie de la ville de, 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 du hall de Détroit, et euh, si on a une mission annexe, il va nous amener à une porte et on va rentrer dans une, dans une nouvelle mission et euh, l'inconvénient c'est qu'on va devoir se taper euh, genre des couloirs et des couloirs et des couloirs et arriver au bout une fois que la mission est terminée et ben, on va devoir faire demi-tour et on va devoir se retaper yes. toute la mission euh, à l'envers donc sans ennemi sans oui, rien oui. en plus avec le Robocop qui marche vraiment comme un robot donc c'est super long et euh, donc ça, 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 ça on aurait pu vraiment s'en passer euh, on aurait pu se passer aussi de de, de, de foutre enfin, des. Qui des marche des... comme un robot, qui marche comme Joe Biden, j'aurais dit plutôt, parce qu'il euh, ouais, y a des gens, on bon incarne voilà, des robots je... qui vont plus vite. C'est super, super rigide, donc euh, voilà, il faut savoir que bah, on, 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 on peut, on va dire, on ne peut pas courir, mais on a une marche qui, en maintenant la touche shift, euh, on marche un tout petit peu plus vite. On ne peut pas euh, sauter, on ne peut pas s'abaisser. Donc voilà, c'est. Mais bon, après, ça, c'est. Euh c'est voulu parce que voilà si tu joues au et que que tu t'abaisses, après tu n'as plus, plus aucune crédibilité et je pense que les devs les devs savaient aussi que ben, voilà, il y, avait, ouais. il y avait des fans' derrière qui attendaient ça ouais, mais je pense qu'ils se sont ils, ils, mmh. ils étaient un peu coincés entre effectivement ce côté genre euh, il faut qu'on reste fidèle au film etc parce que parce que mmh. c'est ça qui va faire vendre le jeu et en même temps euh, bah, quand ça soit intéressant et, et, ouais, c'est complexe quoi enfin, déjà à l'annonce du jeu c'était euh, c'était bizarre le concept bizarre enfin, un FPS oui. Robocop est-ce que fondamentalement c'est pas déjà de base une mauvaise idée ou une, en tout cas une pas trop trop bah très ouais, bonne idée, quoi une idée après, bizarre euh... ouais, sûr. moi après l'avoir fait euh, je vous dis il y, y a eu vraiment des, des longueurs hein. y a, même en termes de de, de scénar et, euh, et de missions hein, tout simplement j'ai même eu des missions principales dans la, sur la quête euh, la campagne la, 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 la ouais. solo, quoi. C'était vraiment. Il euh, y a eu des longueurs, des, des trucs absurdes. Euh, mais euh, mais, ça, mais ça, fait partie de, ça fait partie de cet univers, en fait, de Robocop et tout. Alors tu te dis, bon, allez, ça passe, ça passe. Il y a des moments, c'était franchement chiant. C'était STM, on regardait jouer. Euh, un moment, pendant une heure, je me suis fait chier. J'ai fait des, des trucs super chiants. Et, euh, et c'était. Il y avait vraiment des trucs, je me fais, putain, mais c'est vraiment chiant, quoi. Et. Euh, et il y avait d'autres fois, après tu joues, tu fais tes missions, tu fais tes combats et, et compagnie, c'est pas mal. Et euh, donc ouais, donc je disais que je jouais en difficile, et, y avait un, et à la fin, on est vraiment euh, pété de chez pété parce qu'on a des améliorations. Euh, donc on a des points d'XP à chaque mission, euh, voilà. Et euh, je réussissais à, à la fin à avoir mon arme principale, donc le, son fusil semi-automatique là, euh, il tire en rafale. Euh, donc moi, il tire en continu avec euh, 90 balles dans le chargeur et un rechargement rapide. Donc en gros, euh... Et des munitions enfin, infinies. Des... Ouais, en gros, munitions infinies en plus, tout à fait. Donc, euh... à la fin, tu te fais même plus chier. Tu avances, tu tires sur tout ce qui bouge, tu réfléchis pas, tu avances, tu tires, tu vois. Comme une... Ouais, ouais, mmh. ouais. C'est juste ça, ah c'était bon. dommage. Euh, sinon, le jeu est assez joli parfois. Il y avait des choses assez réussies, même en extérieur de nuit. On arrive à la fin sur. Donc, on, on, on a cette ville qu'on peut visiter et qu'on peut on peut se balader et en fait on y retourne plusieurs fois dans l'aventure et on voit un peu selon euh, le, le, le matin la nuit et compagnie il euh, y, y a des choses qui changent et c'est vraiment qu'il y a une ambiance qui était assez réussie je trouve euh, surtout de nuit euh, mais après euh, après ouais c est, c est, c est, comme je dis hein, c'est vraiment un jeu sympa pour, pour, pour les fans euh, après vraiment les, les habitudes habitués d'FPS les mordus de, de Doom de Quake et machin ces trucs là euh, franchement ils vont on va pas apprécier le kit quoi ils vont, ils vont se faire chier, clairement. Et, euh, et okay. je voudrais rebondir aussi sur la durée de vie. Euh, j'ai regardé pas mal d'avis et compagnie. Je ne sais pas où, euh, où et comment euh, les gens ont réussi à faire le jeu en une trentaine d'heures. Euh, parce que j'ai vraiment assez torché le jeu. Euh, j'ai fait euh, quasiment la totalité des missions euh, en difficile en euh, 11 heures de jeu. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, à moins qu'ils jouent et avec bah, un seul parce bras. On, ou... est parce On est l'élite Parce qu'on voilà. est l'élite, Tout simplement. Mm -mm -mm. <laughs> mais euh, ouais franchement si vous voulez le faire faites-le mais attendez qu'il baisse parce que là franchement les jeux nous coûtent cinquante euros quoi, quoi. donc euh, et ouais. ça fait mal au cul ouais pour résumer non on recommande pas vraiment hormis les vraiment gros fan hardcore de 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 Toujours de, manette, Robo de, Robo de non, ouais. mais euh, <laughs> mais euh, mais, euh, mais voilà donc bon ok je waouh. C'est dur comme conclusion. Euh, non, mais on sent que tu es partagé. Genre, c'est pas un mauvais jeu, mais en même temps, tu le recommandes pas non plus, quoi. Mmh. Non, c'est ça, c'est ça. Et moi, euh, ce que je trouve étonnant, okay. c'est que oui. le, 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 a, on suit vraiment le marre. développeur indé euh, sur Twitter notamment, et euh, ils sont tous euh, à fond dessus du wow. genre, c'est le jeu de l'année et tout ça. Euh, J'ai vraiment du ça. mal à comprendre ou à croire qu'ils euh, fini le jeu. quoi. Gothi, quoi il jeux... je non, pas agoté du non. tout. Hein. Non, puis même il y a, y a des, des mécaniques de jeu, bah tu vois que ça a 15 ans quoi, c'est des trucs euh... c'était bien ouais en 2005 euh, ou en 2010 mais euh, maintenant euh, bon euh, c'est il y a des trucs plus modernes que ça maintenant, tu vois. Bah, mais, oui. euh, après effectivement, c'est pas un jeu raté, peut-être que les gens s'attendaient à ce que je joue un jeu de merde et du coup ils sont su... bah, ils sont surpris et c'est pas nul. Non, mais est, euh, je pense que c'est honnête est... mais c'est ouais, balles euh, ouais ouais ouais. ouais donc après le studio monte, monte peut-être en puissance entre guillemets, hein. c'est vrai qu'ils on ont, ils ont fait clairement le, la grosse 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 merde de, de, de Rambo qu'on ne parlera ouais. pas et euh, après ils ont fait aussi le, le Terminator Terminator, n'est ouais. pas non plus euh, foufou ouais. et voilà je pense qu'ils surfent sur cette vague de, de, de trucs qui ont marché au cinéma et, ouais. et de grosses licences comme ça et ils savent très bien qu'il y a des communes derrière qui achèteront le jeu tout simplement et vous verrez que dans, dans 4 ans ils vont ressortir un un Jeu sur, sur un autre héros, peut-être de, je sais pas, un autre, je sais pas, Rocky Balboa ou j'en sais rien, puis on, 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 on fistera tout le monde. Non, mais je <laughs> sais, rien, mais... ok, mais, très bien, loin, mais euh, vraiment, il n'y un euh, jeu comme bien. ça, c'est sûr. Mmh. Non, chercher une licence nulle à chier, ouais, 80... voilà, c'est ça, mais tu verras que Zobar, on ouais. va partir ouais. là-dedans. Carrément, carrément, carrément. Possible, hein. il bien y a des jeux, juste ça d'ailleurs. Ouais, ouais, hein, ouais. Euh, ok, très bien, merci Matmoit pour ton retour donc sur RoboCop euh, qu'on conseille, Robo si Robo qu conseille pas vraiment, même si c'est pas RoboQuest qu'on conseille pas vraiment, même si c'est pas un mauvais jeu. Et on reste avec les robots et on va laisser Stuka appuyer de Matmoit nous parler de RoboQuest qui n'a absolument rien à voir avec RoboCop. Enfin, il y a des robots quoi. Il y a des robots. C'est pas mou comme Robocop. <laughs> moi, je trouvais ça mieux déjà. Euh, Robocop, c'est quoi C'est un FPS Roguelite euh, qui existe depuis déjà longtemps, puisqu'il est sorti en accès, en accès anticipé en 2020. Euh, et donc en trois ans, les développeurs ont eu le temps de, de bien peaufiner le jeu, j'imagine, parce que nous, sur nos on n'avait pas joué à l'accès anticipé et on l'a testé avec la sortie 1.0. Euh, brièvement, moi, j'ai trouvé ça très très bien. Euh, je pense que moi, tu partages un peu mon avis parce qu'on a refait, après avoir fait le test, on a rejoué ensemble deux ou trois fois, je sais plus, euh, euh, pour refaire des runs à deux. Donc le, oui. le, le jeu, oui, est en coop à deux joueurs. Euh, la, le côté roguelite est, est très bien fait et je pense que c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que si on n'aime pas les roguelites, on n'aimera pas RoboQuest. Parce que moi, c'est un petit reproche que j'avais fait au jeu, euh, c'est que quand on démarre, euh, on n'est pas très mobile. Euh, c'est un jeu qui se fait fast, fast FPS, donc euh, on est censé pouvoir courir partout pour euh, éviter les packs, de, les packs de robots qui nous en veulent euh, et passer d'un mob à l'autre le plus vite possible pour s'en débarrasser. Euh, mais au départ, on, le, le jeu nous fait un peu le coup de je te casse les genoux, euh, tu débloques un peu des améliorations et ensuite tu pourras t'amuser. Tu pourras euh, heureusement, ça dure pas trop longtemps parce que je trouve que au bout de quelques runs, euh, on a vite collecté euh, des, des items pour acheter dans le shop du jeu de, de quoi justement augmenter euh, soit sa mobilité, soit aussi euh, la qualité des items qu'on ramasse pendant les runs. Donc, on a très vite euh, de meilleures sensations en jeu et une plus grande liberté d'action. Euh, mais du coup, le jeu, sur ce point de vue-là, est très bien fait parce que euh, ce n'est pas un roguelite vide, dans le sens où il euh, y a un chemin à tracer tout droit et euh, on se casse les dents sur le, les, les mêmes, la même série de zones encore et encore, jusqu'à faire un petit peu mieux à chaque fois, puisqu'on peut débloquer des clés, euh, des codes, euh, des PNJ en, ram en leur apportant certains items ou certaines armes, pour avoir des chemins parallèles. Euh, au chemin principal de la run qui amène toutes au boss final, hein, de toute façon. Euh, mais ça permet justement de, de presque donner un objectif à chaque run où on se dit bah, cette run-là, je vais plutôt aller dans cette zone parce que je veux essayer de débloquer telle ou telle chose euh, pour pouvoir faire mieux, pour avoir accès à tel ou tel type d'amélioration, etc. Donc ça, ça dynamise, je trouve, un peu le concept du Roguelite. Un peu comme dans jeux, est Dead Cell, qui n'est pas, pas du tout un FPS, voilà. mais qui était un peu le, le maître étalon des de, de, de roguelites ces dernières années. Quoi. Ce côté où tu beau ouais. recommencer la partie à chaque fois, vu que tu débloques d'autres itinéraires qui ont leurs particularités, etc. Au final, tu refais jamais la même partie. Quoi. Mm -hmm. ouais. Moi, j'ai pas beaucoup joué à Dead Cell, mais j'ai joué à un autre jeu qui s'appelle Enter the Gungeon, qui est, est, un, ouais, est un peu la même vraiment. chose. Et euh, là, c'est clairement le même principe, et je trouve que c'est très bien appliqué et donc le jeu fonctionne très très bien euh, et encore une fois c'est juste que si t'aimes pas les roadlights, tu vas pas aimer RoboQuest parce que c'est vraiment le design le, tout, tout le jeu est pensé comme ça euh, et y compris tout le système de propagation. Ce que j'ai trouvé bien aussi c'est que euh, il est pas trop long je pense euh, parce qu'à mon avis en 20-30 heures tu peux tout débloquer et pour moi c'est un gros défaut de certains roguelites où euh, il faut, bah Dead Cells c'est absolument immense euh, voilà. faut... bah, c'est le jeu qui se veut infini en fait fondamentalement voilà. et ils veulent que tu y retournes euh, à l'vitame éternam quoi. Et, voilà ouais, tout à tout fait cool, et, beau, là, et, et dans tu et... t'as pas ce truc là euh... Ouais, et je, je trouve que c'est bien dans un FPS parce que clairement le, le concept peut s'essouffler après ou d'un moment parce que c'est très répétitif. Et une fois que tu sais naviguer les arènes, que tu sais enchaîner les ennemis et que tu as ta classe de robots, parce qu'il y a cinq classes de, de robots avec des capacités un peu différentes, euh, et que tu aimes jouer une classe spécifique et que tu aimes certaines armes, après c'est un peu toujours la même chose. Donc <laughs> si tu devais faire hein, 60 heures pour euh, finir le jeu, ce serait, je pense, juste beaucoup trop long et pas beaucoup de monde, je pense, aurait la patience d'en venir à bout. Euh, que dire de plus le, sur la direction artistique il faut aimer le cel-shading et je trouve que c'est très réussi. Ça marche bien, euh, c'est très fluide, c'est très cohérent visuellement et euh, globalement. Alors, le gros pas problème, à... c'est qu'on bute des robots. Quoi. Ça, c'est un peu, c'est un peu chiant. On aurait, on aurait aimé avoir ouais, du alors, sang, quoi, mais on aurait aimé avoir du sang. Mais moi, j'avais peur de cet aspect là aussi au début, parce que, bon, buter des robots, voilà. Mais en ouais, fait, il y, y, y a quand plus même un dans, un bon dans bon le euh... Ah ouais, oh là là. <laughs> Bref, on va pas spoiler. Mais <laughs> en fait, le, le, le feedback visuel, le feedback sonore euh, de l'impact des armes fonctionne suffisamment bien pour que justement, même si on casse des robots, euh, c'est satisfaisant. Donc, euh, ouais, je oui, tu n'as pas dit d'ailleurs qu'on qu peut tchats, tuer mais... les ennemis euh, en leur sautant dessus. Enfin, leur faire des dégâts en tout ouais. cas en leur sautant dessus. Et ça, c'est quand même ouais. trop bien aussi. Enfin, c'est trop con, tu vois, mais ça fonctionne bien alors, quoi. Je, alors je, suis, je suis sûr que c'est un truc que les, les speedrunners ou que les euh, super players ou les gens qui sont vraiment trop forts en jeu vidéo adorent utiliser moi j'avoue que je m'en suis pas beaucoup servi ouais, <laughs> je que ah, mais des fois ça peut te sauver un peu tu vois genre euh, c'est la panique un peu et tu te tu, tu dis ah mais c'est vrai que je peux faire des dégâts en sautant sur les ennemis aussi ouais, Quand ouais rats, ça, tout, bon, euh... on s'en sert vraiment ouais, comme, comme tu dis euh, en tout cas c'est c'est euh, une feature dont tu ne te sers pas euh, spécialement souvent quoi. vraiment c'est euh... Moi, ça m'est arrivé de pas faire exprès de le faire. Ah ouais, c'est bon, on peut sauter dessus. Oui, non, je disais plus ça En fait, tu vois, c'est là. Et en fait, tu vas pas faire ton run en te focalisant sur il faut que je saute sur les ennemis, mais le fait que ce soit là, c'est cool parce que ça crée aussi des. Mais c'est de Oh putain, merde Ah, j'ai sauté sur. Ah bah ouais, cool. je l'ai tué. très bien. Après, moi, j'ai trouvé ça intéressant dans les combats, c'est c'est le fait, c'est au niveau du des coups critiques. Donc ils, sont, ils sont relativement assez faciles à faire parce que on, les robots ont tous des, des, des espèces d'oeil rouge. Euh, et chaque point rouge en fait sur les ennemis tu sais que c'est euh, après ben, tu apprends à savoir que c'est leur point faible et, euh, et à chaque fois ben, tu, tu te concentres vraiment à viser le, le, le point rouge des ennemis à chaque fois pour leur faire beaucoup plus de dégâts. Et puisque tu nous rejoins, euh, Matcoate, puisque bon, vous avez vous avez plus ou moins testé le jeu à deux, euh, la, la coop, du coup, ça apporte un vrai plus ou c'est juste ouais, la coop est, deux, est, est très... vraiment sympathique. Euh, après, j'ai trouvé avec Stuka, euh, en ayant fait aussi le jeu à côté en solo, euh, que la coop était quand même un peu plus compliquée euh, en, en termes de difficulté. Hein, bien sûr, euh, c'est beaucoup plus difficile parfois de le faire le jeu à deux euh, que, que, que solo. Moi, c'est l'impression qu'on a eu, je pense, tous les deux. Ouais, euh... moi je trouvais que c'était plus dur. C'est plus dur à deux que tout seul. Euh... Donc, ouais, il y a jeu... plus d'ennemis ou ils sont plus euh, éponge à boulettes euh... Ouais, ça, ils sont, plus, ça, plus, ils sont plus, plus, beaucoup plus résistants. En solo, ouais. en fait, tu t'en débarrasses beaucoup plus vite. Et, et je trouve que le jeu marche mieux en solo du coup, parce que c'est plus satisfaisant de, au niveau du. Parce que, comme tous les roguelites, t'as des DPS des check où t'arrives à, à une zone, un boss où. Si t'as pas la bonne arme, parce que tu fais pas assez de dégâts, que tu pas pris les bonnes améliorations pour avoir une, une espèce de synergie dans ton build, euh, bah tu te fais éclater la gueule parce que euh, tu, tu fais pas assez mal. Et je trouvais qu'en coop, ça, ça nous arrivait beaucoup plus vite. Euh, moi, en solo, très rapidement, euh, tu, tu arrives très très loin dans le jeu, tu arrives au boss final sans, sans trop de difficultés. Euh, et en coop, par contre, c'est vraiment beaucoup plus dur. Mais ouais. là, là aussi, je trouve que le jeu fait bien. Euh, D'habitude, les roguelites, c'est souvent des trucs très hardcore avec un seul niveau de difficulté et c'est tout. Euh, là, le jeu propose euh, quatre niveaux de difficulté différents. Donc moi, j'ai surtout joué en standard et j'ai un peu fait du hard. On a euh, fait du difficulty à deux aussi. Ouais. Et après, on avait refait du standard et, euh, et j'ai essayé le niveau de difficulté le plus faible pour voir un peu euh, ce que ça donnait. Et clairement, c'est hyper facile. Mais ce que je trouve qui est chouette de faire ça, c'est que si, si on n'est pas fort au FPS, mais qu'on veut quand même jouer au jeu parce que c'est intéressant, et n'empêche que le gameplay est, est plutôt très bon et ça marche bien, euh, et bah, le fait que ce soit un roguelite, c'est pas immédiatement bloquant. Parce que d'habitude, ce genre de jeu-là, euh, si, si t'es pas bon, c'est même pas la peine d'y aller parce que tu vas pas passer un ou deux mondes. Quoi. Tu, tu vas vraiment pas aller très loin. Ouais, ça me fait penser ouais, à, à Pétillon, et par exemple, euh... le contraire, toi. Si n'es pas bon, euh, tu vas vraiment galérer ouais. quoi. Euh, <coughs> Après, ouais. euh, je, ad... je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Ouais, c'est sûr. Euh, ouais, moi, bah, j'ai apprécié aussi le titre. Euh, moi, ce que je peux lui reprocher, euh, c'est euh, parfois, même sur, surtout à deux, euh, on, a, on est souvent dans des arènes qui sont vraiment, euh, bah, qui sont relativement petites, et euh, donc là, il rajoute la difficulté avec du nombre de robots. Donc là, on a du robot en voiture en voilà. Et, euh, et parfois à deux, ben c'est vrai que c est, c est, je trouve que c'est un peu le bordel. Euh, même si les, les tirs ne nous gênent pas et compagnie, mais on, on, parfois il y a trop d'ennemis dans des petites zones. Et euh, à deux, là, ça ne marche pas trop. Quoi. Ça, je, euh, c est, c est, en fait, c est, c est bah ça, moi, ça m'a fait penser à Doom l'Éternel. où je pense qu'il s'en inspire clairement. Euh, ce côté où tu, tu voles dans l'arène littéralement. Euh, en sautant au-dessus des ennemis, etc., et en essayant d'enchaîner les kills comme ça, en passant d'ennemi de, en ennemi. C'est moins dur que de Eternal parce que t'as moins cet aspect gestion de ressources. Tu gères tes cooldowns pour tes, pour tes deux euh, capacités spéciales, mais t'as pas euh, la frise grenade, la frag grenade, le lance-flamme pour récupérer de l'armure, euh, les glory kills pour récupérer de la santé et la tronçonneuse pour les munitions. Parce que là, les munitions sont infinies, donc tu n'as pas besoin de t'emmerder. Euh, mais euh, ça, ça fait un peu penser à ça, sauf que le problème, c'est que les arènes sont un peu trop resserrées et tu te retrouves vite à, à te faire noyer sous les ennemis. Et c'est un peu le, le DPS check dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu ne fais pas assez mal et que tu n'en élimines pas assez à la seconde, euh, ta run s'arrête là. Mais bon, ça fait partie du, du design roguelite. Rogue ouais, voilà, c'est ça. Après, il euh, y, y a la partie des boss euh, qui n'apporte vraiment euh, pas grand chose. Euh, c'est ça que ça, c'est des choses dont on aurait pu se passer. Euh... Ouais, je suis d'accord. Ouais. En fait, c'est du bullet clairement. Ouais. Et, et en FPS, moi, j'ai jamais trouvé ça terrible. Euh, et je, ils ont mis des boss parce qu'il fallait en mettre parce que c'est du roguelite. Donc euh, bon, c'est n'est pas des combats hyper intéressants. Et au contraire, il y en a qui sont très très dur et ça se... moi, moi je suis pas bon à, à éviter des projectiles etc dans les jeux je suis pas très doué pour ça et euh, ça se joue à... est-ce que tu as ramassé assez d'amélioration de santé pour pouvoir encaisser les coups ouais, euh, pas... et est-ce okay, que as une arme ouais. qui fait assez mal pour lui faire descendre sa barre de vie très vite et, et parfois d'un niveau à un autre tu t as, t as, en fait tu enchaînes les niveaux donc tu, tu te mets bien tu dis putain j'ai encore plein d'hp euh, nickel quoi et euh, tu passes une zone et euh, tu peux avoir soit de l'inattention ou, de, ou la, de la mauvaise chance et, ou, ou autre, mais tu, tu te fais ouvrir, mais en deux-deux, quoi. Et il y a parfois un déséquilibre comme ça sur certaines maps, où aussi, comme dit tout à l'heure, si tu si, si t'as pas choisi la bonne arme, ou si tu as le malheur de te tromper d'arme ou quoi que ce soit, bah tu sais que ta run elle est fichue à la prochaine map, quoi. Mais... Euh... Bah si c'est le roguelite, aussi. Ouais, c'est ça. C'est ce côté-là qui est un peu, un peu frustrant, hein. mais, mais vraiment, tu... tu... Tu relances assez facilement hein. à chaque fois que tu te ballon. Joue à Borderlands hein, si vous voulez. Euh, non non merci. <rire> <rire> Mais euh, ouais, le, non la vraiment le, le problème le, problème aussi. Aussi, super sympa, un très bon. Je trouve que vraiment c'est un, un super roguelite euh, à faire. Moi ouais, j'avais testé pendant l'accès la, anticipé et j'avais déjà trouvé ça plutôt cool. Euh, bonne base, euh, bonne base quoi. Et du coup je suis content de voir que ça a été euh, ils ont concrétisé le, le truc quoi et que. Mmh. Et que... Ça ne peut que s'améliorer, quelques mises à jour peut-être pour corriger les, les petits détails négatifs dont, dont vous avez parlé. Euh, rappelons que c'est développé par ouais. des Français d'ailleurs, hein, Cocorico. Ouais, ouais. mais ouais. les détails négatifs, pour moi, c'est associé au, au, au Roguelite lui-même. Ouais, ouais. En fait, si on aime le genre, je pense que le compliqué, jeu. Est bien. Compliqué à. Le, ouais. le gameplay est vraiment très bon. En tout cas, euh, c'est en, disponible. En de, oui, de, non, de population, c'est euh, beaucoup. Hein. Il y a 3200 joueurs euh, actuellement pour euh, ce type de jeu, je trouve ça énorme. Euh, ah sur Steam, tu veux dire aussi, ouais. Sur Steam, ouais. Ouais, surtout que le jeu il, est, il est euh, sur Game Pass aussi. aussi. Game Pass, ouais. Donc, et en plus, euh, c'est sur Game Pass. Plus. Hein. Ouais, et sur, euh, sur GOG aussi et EGS. Il est partout. Il est partout. C'est Sabrise euh... qui publie ça. Ouais, petite blague, ouais. c'est Star Wars qui est publié, donc peut-être que RoboQuest marche mieux que Payday 3. Euh, <laughs> actuellement, c'est le, le cas. Il n'y a même pas de peut-être, c'est sûr. combien y a de personnes sur Payday 3 maintenant. Ouais, il y a 1200 joueurs sur euh, Payday 3 maintenant. Ouais. Donc, euh, il y a plus deux fois plus... De deux <laughs> fois plus bah, euh, prends ça dans les dents Prends ça euh, dans, dans les dents ça, Dans 500 euh, dans le menu, parce qu'ils ne peuvent pas lancer la partie. Ouais, <laughs> ils, ils attendent, bah, ils, ils attendent. <coughs> Donc, euh, félicitons euh, Rise Up Studio euh, Lyonnais ouais, bravo. Coup, euh, qui ont développé euh, RoboQuest, qui est un, un bon petit euh, FPS Roguelite. Quoi, euh, oui, euh, tout à fait. Euh, avec quelques petits défauts inhérents au genre, euh, pour résumer ce qu'a dit Stuka euh, et, et euh, bon, En gros, si vous avez le Game Pass, euh, allez-y, testez. Et sinon, euh, peut-être essayez. Je pense qu'en deux heures, vous, vous ferez vite un avis avant de vous faire rembourser si jamais euh, vous n'aimez pas. Euh, on va passer à un jeu dont on a hésité. Euh, on s'est posé la question est-ce qu'on en parle sur frags ou pas Parce que c'est. On en a très rapidement parlé tout à l'heure. Un simulateur. Tenez-vous prêt. Un simulateur de PowerPoint. Enfin, de <laughs> diapositive. C'est-à-dire que vous êtes dans un jeu qui vous montre des images que vous devez faire swapper, un petit <laughs> peu comme sur Tinder, quoi. Euh, swiper. Du coup, je dis swapper, mais swiper. Enfin, glisser. Vous faites glisser vos diapositives. Et vous allez de diaporama en diaporama, comme ça dans le jeu. Enfin, moi, j'avais fait que la preview il y a un an ou deux. Estia, toi, tu as eu euh, l'opportunité de tester bon la version complète. Exactement. De The Invincible. Invincible euh, alors, euh, The Invincible, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est, The Invincible C'est donc un walking sim, mais vraiment un pur walking sim. Ne vous attendez pas à avoir de l'action, ou même beaucoup d'interactions, puisque, effectivement, là, le principe, c'est quand même de marcher, de choisir les lignes de la... dialogue, euh, un peu comme on pourrait le faire dans Firewatch, et, euh, et donc euh, découvrir les paysages, euh, etc. Donc euh, c'est principalement... Donc, euh, euh, régis... contre... Comment Regis 4 régis... Les paysages régis 3. de Regis 4 Regis 3, régis 3, régis 3. Ouais. Et euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme particularité Donc, euh, mis à part euh, donc un gameplay qui est... Bon, qui fonctionne, hein. je veux dire, il euh, n'y a pas de problème, hein. c'est narratif, c'est contemplatif. Euh, donc, euh, si on apprécie le genre, il n'y a, a pas de raison de se dire que ça ne pourrait pas plaire. Euh, parce que moi, j'ai trouvé que l'histoire était plutôt sympa. Euh, j'ai réussi à, à être euh, happé par l'histoire. Ouais. Voilà. Donc, globalement, l'immersion était plutôt bonne. Euh, au niveau interaction, donc, comme je dis, il n'y a pas grand chose à faire. C'est-à-dire que globalement, on se balade et puis des fois, il y a un petit cercle qui nous indique qu'il y aura quelque chose à faire à cet endroit-là. Donc, on clique sur un bouton, en général, c'est le clic gauche de la souris, et il va y avoir une action qui va se, qui va se déclencher. Euh, donc, par exemple, on va prendre quelque chose ou activer un bouton, etc. Euh, ou là, Alors, exemple, dans toi, dans je... la démo qu'il nous avait envoyée, moi, je... moi, ce concept-là, à la limite, pourquoi pas mais, ce que j'avais ouais. trouvé ce que j'avais trouvé vraiment euh, hyper énervant c'est que ouais. en fait à un moment donné il y a une séquence où euh, vers le début où tu la garde des images non 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 avant ouais. ça tu dois ça ça, ça c'était ça, euh, cu, ça ça l'énervement ouais. avant ça déjà tu es dans un vaisseau enfin dans une petite navette et tu dois grimper une échelle et ouais. ça se fait en 3 ou 4 QTE. Ouais, c'est dire que si justifié en fait bah tu veux juste cliquer, mais tu peux, tu, sinon tu t'appuies sur E et tu montes, ou tu cliques gauche et tu montes. Non, non, là c'est genre tu fais un, un premier clic pour t'approcher de l'échelle, un autre pour monter, un autre pour sortir de l'échelle, et un dernier pour ouvrir la trappe qui est en haut. Non, stop. Euh, là, euh, ouais, alors j'ai pas trop ressenti ça. Et, euh, qui sert à rien, ouais. Après, ouais, mais le a rien. corrigé. Ça, c'était la preview il y a un an, un an et demi. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a, a pas trop ça. Il y a effectivement, euh, par exemple, si tu veux. Euh, effectivement, si tu veux monter une échelle, alors j'ai plus trop le souvenir d'une échelle en particulier, et si tu veux monter sur une échelle, comme là par exemple sur la vidéo, bah, tu cliques dessus et il va monter dessus. quoi euh, Mais sinon, derrière, il n'y a pas vraiment genre de truc où tu l'as cliqué dix mille fois à défiler pour faire des trucs où tu pas le choix. Là, c'est plus vraiment pour dire là, je vais faire une action, tu vois, ou je vais regarder quelque chose et ça va déclencher. Euh, ouais, c'est un point dialogue. and click un peu. Alors, un, effectivement, c'est un peu plus point and click mais il n'y a, a pas y a pas de d'énigme non plus hein. c'est vraiment euh, juste de l'exploration euh, c'est c'est ça quoi et alors il y a une notion de choix c'est à dire que tu peux tu peux faire des choix dans dans l'histoire et ça va te faire différentes branches qui vont mener globalement vers bah, vers une fin similaire mais enfin, plus ou moins similaire avec euh, différentes fins aussi derrière si tu en fonction des choix que tu auras fait ou que tu feras euh, vers la fin et euh, et voilà et, moi je trouve que euh, au niveau scénario bah, ça, ça, ça marche, moi je trouve ça bien euh, au niveau visuel c'est très beau euh, au niveau perf c'est très bon aussi, euh, alors il n'y a pas grand chose à montrer effectivement parce que c'est des zones mortes, c'est hein, inerte, il n'y a, a pas de vie entre, entre guillemets euh, et donc du coup bah, ils, ils peuvent se permettre d'avoir juste à afficher un truc mais, euh, mais c'est quand même des zones relativement grandes et ça marche très bien euh, là, j'étais en 1440p euh, euh, tout à fond, euh, donc à 60 fps. Et il euh, y a des passages qui sont vraiment chouettes, comme ce que je montre, effectivement, c'est un, un des plus beaux passages, euh, peut-être. Euh, voilà. Il euh, y a des petites phases, d'ailleurs, dans, dans un véhicule, ce qui est assez rare pour un Walking Sim, puisque on, on se déplace, même si c'est dans des genres de, de canyons, donc tu n'as pas 36 000 choix, euh, bah, c'est toi qui conduis. Euh, bon, après, c'est pas, pas non plus le truc euh, déterminant dans le jeu. Hein. Euh, non mais il y a voilà. Donc, euh, moi je suis bien apprécié, euh, c'est bien fini. Le, le... s'il si, y a un truc quand même que je voulais souligner, c'est que les dialogues, euh, contrairement à un autre Walking Sim que j'avais fait euh, il y a quelques mois, je me rappelle plus le nom euh, avec Frequency dedans, où je trouvais que ça, euh, dire, les échanges étaient trop euh, euh, saccadés dans le sens où, où quand il y avait un dialogue, c'était pas, c'était oui, pas, ça, dire, ouais. on n'y croyait pas. Voilà, c'est ça. Là, au contraire, j'ai jamais eu cette sensation-là du tout. Et euh, j'ai lancé le jeu euh, récemment parce que il y avait un petit bug qui a été corrigé depuis. C'est-à-dire que c'était, j'étais lock. C'est à dire que euh, j'avais <laughs> choisi une fin, mais il euh, y avait un bug. Donc, euh, du coup, j'ai lancé et je me suis rappelé de ce truc-là et j'ai écouté. je me suis focalisé sur ça justement, sur les dialogues et euh, j'ai vraiment bien vu que ça s'enchaînait correctement, que euh, a... tout était cohérent, quoi. Voilà, ça c'est euh, The Invincible. Euh, on nous pose des questions dans le chat. The voilà. Invincible, 30 euros sur Steam, euh, et, et Walking Sim. Euh, ouais. Voilà, c'est vraiment Steam classique. Walking Faut pas, on n'a pas y a trop parlé de l'histoire, mais en gros, c'était sur une planète qui ressemble à Mars, mais qui s'appelle ouais. Regis 3. Euh, et tu, en gros, il y a une expédition dont on n'a plus de nouvelles, enfin, grand ouais. classique. Du coup, tu, une autre ah, expédition ouais. est envoyée pour euh, enquêter sur ce qui a bien pu leur arriver. J'imagine un énorme accent sur, euh, sur, sur le scénario. Oui. Et donc sur les promenades, euh, dans des canyons et des diapositives, et des... Ouais. Ça arrive que des fois, tu, du coup, tu récupères des photos, effectivement, ou des diapos, et euh, bah, tu dois <laughs> cliquer sur le bouton pour euh, changer de diapo. photo suivante <laughs> Et ça voilà. dure longtemps. Il enfin, y, euh... y a une séquence dans la version preview qu'ils nous ont envoyée. Ah ouais euh, C'était vraiment... Sans exagérer, 10-15 minutes de cliquage de ah, diapositive. Je crois pas, pas qu'il fais... y ait ça. Wow. Voilà. La, la, la durée de vie du jeu, enfin le jeu, je l'ai fait en environ 6h30, 7h. Euh, voilà, un truc comme ça. Euh, je pense qu'il y a peu moyen de, de faire plus long. Euh, Peut-être si tu veux absolument explorer tous les recoins de la map, mais il n'y a pas spécialement d'intérêt, je pense. Tu ouais, que... collectionnes pas les cailloux comme ça. Non, 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 il n'y a rien à collectionner et tout ça. C'est vraiment euh, bah, plus sur le scénario et, et ce que tu as envie de faire en fait. Globalement, c'est ça. C'est quand même, tu as... as une notion de choix quand même. Et après, je pense que les impacts sont mineurs, mais, mais tu peux choisir. Voilà. Ouais, ouais, euh, vivement les au... mmh. Ça me fait un peu penser à au... un walking scene comme ça. C'était Deliver Us the Moon euh, ouais. qui était sorti en... en 2019, je crois. Et euh, pareil, tu étais. Euh... C'était un Walking Sim pareil, mais là c'était euh, seulement sur la Lune, du coup. Mm. Et euh, ça me fait un peu penser à ça. Là tu peux streamer quand même. Je sais pas si vous même, avez hein. fait, mais euh, ouais, Et tu chiant peux vite. Ouais. Bah, hein là c'est Regis 3, C'est pas la Lune. Pas 3. Alors bah, rien à voir. Voilà. Team Lune ou Team Regis 3, euh, à vous de choisir. Euh, donc une trentaine d'euros sur Steam. Euh, bon, bah réservé aux fans de diapositives, de Walking Sim, d'histoire, de scénario, ouais. tout ça, tout ça. À ouais, savoir ouais, que ouais. c'est adapté d'un roman de science-fiction, d'un oui. gars qui a écrit quoi déjà, qui a écrit un truc plus connu, il me semble. Alors par euh, contre pas noté effectivement. Plus, euh... Et comme j'ai pas encore écrit le test, j'ai pas cherché. Plus euh... le test non. apparaître sur sur nos ouais, .com, ouais, ouais. Évidemment. Ouais. Euh... comme évidemment. Comme Moana dans la froideur, c'est pas publié, mais il hein, paraîtra sur tu le. Zobar là, nous en dira des nouvelles. Ouais, euh, c'est le jeu qu'il a choisi d'ailleurs. Euh, oui, est tout à fait. Euh... Ouais. Ouais. Et il ne peut euh... pas revenir hein, sur, sur sa décision. Non, c'est <laughs> impossible. Euh... Non, mais c'est. Moi, j'ai passé euh... un... Va... un bon moment. On, on va revenir à sur, euh, sur les robots avec Stuka, ouais. Qui, euh, donc, on vous a fait un petit tease tout à l'heure en vous parlant de robots qui... qui font peur. Enfin, qui font. Qui... Non, pas qui pas qu font peur, qui qui, qui, qui énervent enfin qui, pas qui énervent qui enfin qui sont nuls quoi qui sont chiants quoi des robots chiants quoi des robots qui qui, qui font pas de bruit ou pas des bruits distincts etc qui sont relous là alors qu'ils arrêtent pas de nous envahir et ils sont relous et quand j'ai vu ta vidéo de gameplay je me suis dit putain mais ils tirent sur des trucs je comprends pas ils... sur quoi ils tirent sur quoi ils tirent tu vas nous parler de Gunhead que tu as pu tester et tu as même publié le test sur Naufrag je tout cas ah ouais on a fait le test et la publication pratiquement une soirée c'était génial <laughs> euh... La, la vidéo, euh, bon, c'est pas la mienne parce que j'ai pas, pas, eu la foi de relancer le jeu pour record. Euh, Gunned, c'est un autre roguelite. Donc, moi J'ai fait que des roguelites ces, ces dernières semaines. <laughs> ah, si tu peux faire en euh... une minute, c'est parfait parce que la vidéo dure une minute. Allez, c'est parti pour une minute. C'est nul, n'achetez pas. Voilà. <laughs> Et moi, <une> minute. <laughs> eh bien merci. <laughs> bon, en vrai, ça mérite mieux ou pas si. Non. Euh, en, vrai, je, je, en fait, le, le concept du jeu, très bien, ça, ça pourrait marcher. On pilote un méca et l'objectif, c'est de nettoyer des vaisseaux aliens qui sont censés être des, un peu morts, un peu délaissés, mais qui sont infestés d'ennemis euh, pour récupérer des, des technologies pour une, une méchante corporation qui nous emploie. Voilà. Euh, un truc hyper original. Euh, en soi, ça pourrait être rigolo parce qu'on a un mecha, donc on peut mettre jusqu'à quatre armes sur le mecha pour, pour défoncer les, les drones qui nous attaquent. Euh, le vrai problème, c'est que l'éditeur euh, oui, et le développeur, euh, c'est la même entité, euh, ont déjà fait ce jeu-là qui s'appelle CryptArc, qui était en 2D. Euh, et en 2D, je ne doute pas que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'ils ont fait la même chose en FPS, en 3D avec le même style d'item et le même style de gameplay. Euh, C'est-à-dire que les, les robots d'en face sont un peu des sacs à PV, euh, mais il y en a beaucoup trop dans les vaisseaux, donc pour s'en débarrasser avec nos armes qui sont molassonnes comme pas permis, ben c'est long, c'est chiant. Euh, en plus, ils font pas beaucoup de bruit, donc on ne sait pas trop quand on se fait attaquer. Bref, ça marche pas, c'est mal fait. Euh, et euh, le jeu est en version finale. Moi, le peu que j'en ai joué, il euh, y avait quatre types de vaisseaux différents à explorer. Euh, donc je ne sais pas s'il y en a d'autres après quand on avance plus loin dans les runs. J'ai pas eu très envie de pousser, mais je pense que c'est très vide. Et que, à mon avis, euh, si on persiste un peu et qu'on joue 2, 3, 4 heures, euh, c'est fini, on a tout vu. Voilà. Et euh, ça vaut 20 balles quand même la euh, bon... Voilà, pas, très euh, fin, ils arnaque. Ils ont voulu tenter le truc. Euh, après, comme tu dis, c'est vrai que le côté... Euh, Je ne sais plus comment on appelle ça. Euh, euh, D'avoir toutes les armes un peu comme ça, euh, qui remplissent tout le HUD, tout ça, c'est rigolo, c'est sympa, mais... Euh... Il faut avoir le gameplay qui suit derrière. Quoi. Bah, en fait, moi, ce que j'aurais voulu, c'est que, que ce soit des affrontements un peu tactiques. Tu vois, aurais, tu pourrais avoir 4 cartes d'armes différentes avec des profils un peu chacun différents pour te dire, euh, ça te permet d'attaquer un type de cible différent à chaque fois et, et varier un peu le gameplay en disant, pour tel type de vaisseau, je vais plutôt prendre un, un loader ah, comme ouais. celui-là, et, et, etc. Sauf que le jeu n'est pas construit comme ça. Euh, tu ramasses les armes dans les vaisseaux, donc après, tu peux les acheter pour les débloquer et pour les mettre directement sur ton, sur ton méca mais elles sont toutes assez similaires. Il y en a qui sont nuls à chier, qui servent à rien. Euh, et en fait, le, dans le gameplay aussi, c est, c est, ça ne va pas. C'est-à-dire que, comme je disais, les, les, les monstres sont des sacs à PV, euh, et nos armes sont pas extrêmement efficaces. Et il y en a beaucoup à tuer. Donc... Euh, c'est juste, juste pas marrant. On aurait préféré que ce soit peut-être plus tactique, c'est-à-dire que les, les, les drones en face fassent, fassent très mal et donc qu'on soit obligé d'approcher les situations avec beaucoup de prudence pour échanger ouais, ouais. très vite. Voilà. Savoir ce qui va se passer, anticiper. Mais le pire, c'est qu'ils ont pensé à ça parce que, en fait, quand on commence à un, un niveau, on est à l'extérieur et on peut rentrer par où on veut dans le vaisseau. Et on peut ressortir, re rentrer, etc. Et regarder la map, essayer de voir par où on voudrait commencer, et éventuellement se relocaliser en fonction de ce qui se passe. Sauf que, bah, il n'y a, y a, y a que cet élément-là qui est tactique, tout le reste. Voilà. Donc, euh, non, poubelle. Eh ben, très bien, merci pour ce petit test express de Gunhead qu'on ne vous recommande pas du tout. On termine les tests rapido avec un DLC d'un jeu qu'on avait plutôt kiffé, en tout cas qu'Estia avait plutôt kiffé et j'avais joué en cop avec lui et on avait streamé d'ailleurs. C'est vrai que c'était plutôt cool. Euh, Dead Island 2 qui a sorti son premier DLC, non Il me semble. Oui, c'est ça. Tout à fait. <coughs> euh, donc euh, ouais, là c'est le premier DLC, il s'appelle House ou House, je ne sais pas. Euh... Qui se passe euh, donc euh, dans un endroit séparé, c'est comme un niveau à part en fait de Dead Island 2. Euh, c'est une sorte de, 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 de résidence euh, d'une secte, euh, et, euh, et et puis c'est plutôt pas mal. Euh, alors là, je vais vous montrer euh, une petite image, peut-être pas que du menu, mais euh, globalement, euh, contrairement à Dead Island 2, où alors, c'était très bien déjà en deux. Il euh, y avait pas mal de narration environnementale et tout ça. Euh, a, on sent qu'il y avait eu beaucoup de boulot. Et, et c'était très bien au niveau du gameplay, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de, de moments, euh, de choses mémorables, en fait. Il y avait. Euh, des trucs un petit peu bateau, tu, au final tu finissais l'aventure et puis bah, c'était chouette, t'avais passé un bon moment, mais il euh, n'y avait pas euh, vraiment le truc euh, que tu, dont tu te souvenais euh, là avec euh, le DLC os. Euh, euh, là j'ai trouvé qu'il y avait justement pas mal de moments qui euh, qui, qui marquaient. Euh, grâce notamment à la DA et aussi à plein de des de, de, de pièces qui sont vraiment euh, agencées avec euh, euh, du enfin, du sang qui coule de partout, euh, des genre de piscine, euh, enfin des, des trucs euh, qui sont qui sont assez gores mais qui, qui font qui matchent bien avec l'univers qui est euh, qui est vraiment pas très sérieux. Hein. l'univers de Day Island c'est c'est assez humoristique quand même et euh, et franchement euh, j'ai vraiment bien apprécié. Euh, donc voilà au niveau gameplay c'est pareil hein, c'est euh Toujours du découpage de zombies à la, à la chaîne avec euh, différentes armes que tu améliores, etc. Euh, D'ailleurs, euh, quel que soit ton niveau, à partir du moment où tu as joué au moins une heure à Dead Island 2, euh, accèdes à, à une, à la, tu peux accéder donc, euh, à ce DLC euh, qui, de, qui adapte de toute façon, les, les zombies à, à ton niveau. Donc, euh, aucun souci, euh, c'est toujours aussi fun. Il y a une nouvelle arme qui sert plus d'outil pour accéder à différentes zones, c'est une arbalète. Euh, mais tu peux aussi t'en servir pour tuer sur les zombies, mais je trouve ça plus rigolo de couper les genoux que, euh, que, que de tirer dans la tête de, des zombies. Enfin, peu importe Donc... l'arme dans Dead Island 2, ce qui est drôle c'est de péter les genoux, euh, ouais, ou de bras, péter les bras, les, les couper. Têtes, les. Ou... Donc voilà, les armes à feu sont toujours euh, assez quelconques, ça sert toujours, enfin, euh, et sont utiles euh, contre les boss ou contre les, contre les gros, euh, gros zombies, mais euh, bon, l'intérêt c'est quand même vraiment de... Euh, les armes au corps à corps, voilà. Donc, euh, j'ai trouvé ça très bien. Euh, si vous avez déjà Dead Island 2, euh, donc, le DLC coûte 13 euros. Bon, euh, ça, ça dure 3-4 heures. Euh, bon, ça va. Franchement, c'est il est vraiment cool. Donc, euh, je pense que ça vaut le coup. Euh, voilà. Après, si vous n'avez pas le jeu, il faut acheter du coup euh, un jeu à 60 balles plus euh, ou directement le... le... Le, le, le season de pass ou le, le truc gold ça fait peut, -être ouais, peu peut être un peu cher peut-être un goutti voilà alors je l'ai fait en solo et je pense c'est le meilleur enfin euh, c'est mieux pour pour euh, vraiment euh, saisir la subtilité de, de, de ce dlc mais après on peut effectivement enfin euh, évidemment jouer en, en coop mais je vous conseille euh, de le faire d'abord en solo histoire de d'avoir un peu les, les catchphrases et tout ça auxquels on ferait pas forcément attention quand on joue en, en coop euh, voilà donc euh, c'est très 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 bien Ok, et ben voilà. Merci pour ce petit récap très rapide. Euh, donc du premier DLC de Dead Island 2. Je ne sais pas s'il y en a d'autres de prévus. J'imagine. Il y en a un autre prévu pour avril prochain, je crois. Exclusif eh ben ouais. Epic Games, ça, celui-là, pour l'instant. Ah oui, c'est ouais, ah bah exclusif toujours, Epic Games. Ouais. Ouais. Toujours. Mais ce qui ne pose de problème qu'à ceux qui se créent des problèmes pour rien, je crois. Enfin bon, ouais. bref. Et ouais, nous, cela ne nous regarde pas. Cela, nous <laughs> regarde pas. Et eh bien, euh, voilà qu'on a fait le tour donc, de ce numéro 47 de nos scopes. On n'a toujours pas réussi à tenir euh, euh, les deux heures d'émission. On dépasse un petit peu. Mais, Et le pas Louis, grave. mais le pas dormi, Loulou n'est pas Loulou ne dort toujours pas alors qu'il est déjà 3h du matin chez lui. Non, euh, <laughs> pas 3h, mais 2h, je crois. Ouais. Et bientôt 2h Bientôt 2 heures, ouais. Après ouais. enfin, bon, 20 minutes. Tu vas pouvoir Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, ce, qui va, ce qui va venir euh, bientôt là Tu vas pas tu vas les toucher maintenant. Tu vas d'abord nous dire ce qui va sortir <laughs> au mois de novembre, ouais. au mois de décembre. Ouais. <rire> <rire> bah, du coup, bah, ce, qui, ce qui est prévu bah, déjà par bah, ce qui avait un petit peu été dit dans les reports, donc euh, Wizard Doom. Euh, tu rocks, tu rocks 3 remasters. Oui, aussi. Ouais. Euh, pour pour fin, fin novembre. Ensuite, euh, niveau décembre, tu as Reloaded, donc euh, le, le remaster. Et ensuite, on a des nouvelles a... de ça d'ailleurs parce que... enfin Pardon, moi ouais, je, je retarde de quelques minutes ton... Non, non vas vas-y. Coucher Loulou, mais... Euh, <laughs> ça sort dans deux semaines et on n'a aucune nouvelle. Ça sent un peu le... Le, le rapport, le des... non Ouais. Parce que, bon, je pense que c'est à peu près attendu quand même, Kingpin. Mm -hmm. Grand jeu des années 90. Tout ah ça m'étonne qu'on n'ait pas, à deux semaines de la sortie, ça m'étonne qu'on n'ait pas un petit trailer, un petit truc. Euh... Bref. Donc on normalement, c'était prévu pour, euh, pour début décembre. Pardon, excuse-moi, Loulou, on tu vais. peux reprendre. Bah, façon, pour le va, prochain jeu bien. que toute la rédac attend, d'ailleurs. <laughs> qui est d'ailleurs passé gold de cette semaine. Donc le Évidemment. fameux Avatar Frontier of, of Pandora. De chez ah, de Far Cry. Euh, Far Cry ouais, <laughs> Exactement, c'est l'idée. Je ne pourrais titre, pas tester ouais. parce que je ne serais ma malheureusement pas euh, en France à ce moment-là, donc je ne serais pas devant mon PC. Et ça, mm. me, pff, ça me fend le cœur. Franchement, euh, <coughs> horrible. Je, le premier Far Cry que je ne vais pas tester pour frags, ça, ça va me. ça va me. Miner. ça va m'attrister. Je vais peut-être annuler mes projets pour, ouais, pour vrai, être pense. finalement ouais. là. Euh, bon, voilà, on a fait le tour. Euh, Est-ce qu'on est qu repousse encore le réveil de, de Loulou en demandant à quoi vous jouez en ce moment En deux secondes Oui. <laughs> allez, bon, Estia, à quoi tu joues, Estia bah, Tu l'as déjà dit en 2 secondes. Dead Island 2, Vampire Hunters, j'en ai déjà parlé. Donc euh, voilà, c'est tout. Et Model faire 3. Donc, euh, voilà. Donc les jeux que tu testes. quoi. Et Easy Invincible <laughs> Et les jeux que tu testes. Ouais. Euh, Loulou, toi, tu joues à quoi en ce moment alors, j'ai fait l'erreur monumentale de jouer à, à Ghost Runner 2 alors que j'avais la, <laughs> et... la grippe. Et ça va. Mais c'est parce que t'as joué à Ghost Runner que t'as eu la grippe. C'est surtout ah, ça. Je sais yes. pas. Yes. Ah, pas. Mmh, Docteur Matmote. <laughs> ouais. Et, 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 comment dire et pour un petit peu moins récent, le, le, le Wolfenstein All Blood, pour, pour le plaisir comme ça. Bah ouais, très très, très bon, les, bon. le, le reboot un peu des Wolfenstein euh, qui avait mmh. fait euh, Machine Games, là, ils sont très très bons. Ouais. Euh, tu à quoi tu joues toi À part le dentiste. Alors, je... Alors, <laughs> qui a écrit ça, <laughs> ça a moi. <laughs> donc ouais, bah, moi j'ai fait Rage de Dent Simulator. Après j'ai euh... fait euh... RoboCop et RoboQuest. Euh, euh... bon, je ne joue plus RoboCop hein, d'ailleurs. Euh, mais je fais encore un peu de RoboQuest et, euh... et, et beaucoup de Dark Tide en ce moment avec, euh... avec Shtouka. Donc à quoi donc, tu on joues des... Stuka On se fait des part... bisous aussi le midi, voilà, ça, on voulait pas en parler. Mais... À part Dark Tide, Stuka, tu joues à, à quoi d'autre j'ai relancé ah, le FPS oui. Et oui. Parce que moi quand c'est sorti euh, j'avais 8 ans. Donc j'ai pas énormément joué. <laughs> Et euh, bah, là, 25 ans, euh, j'ai prétexté pour euh, relancer le jeu. Euh, c'est très bien le Flife. Jouez-y. Donc l'original euh, Vanilla, son mode... Euh... Ah ouais, ouais, moi bon j'avais essayé, euh... euh... essayé vite fait Black Mesa et en fait j'avais pas trop accroché, je sais pas, le côté remake et tout ça, ça m'avait pas trop plu au niveau du feeling de déplacement Le début est très très fidèle de Black Mesa et très très fidèle. Half-Life, c'est plus ça après ouais. qu'ils prennent un plus de liberté, mais. Bah oui, oui. Mais ok. <laughs> après, c'est la physique qui est pas la même. Il y a quand même les échelles ultra reloues, ça, ils ont gardé ce truc-là c'était ah, mais... toujours en mode Ah putain, ça a jouait... pas, putain. Si t'as beaucoup joué à CS, celle-ci... Oui, oui, c'est non, non. Oui, le moteur qui veut ça, bien sûr. Et mais toi, donc, FCP, euh... à quoi as-tu joué euh, bah, Du coup, moi, j'ai continué dans ma perspective de... de commencer un jour le DLC de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Et je me suis remis à Cyberpunk 2077, où je suis a priori arrivé au moment où, s'il faut s'arrêter dans la campagne principale pour commencer le DLC, mais entre-temps, il y a eu la mise à jour de Teardown, dont on a parlé un peu plus tôt. Qui est sorti. Du coup, je me suis remis à Down et du coup, là, je suis sur le DLC de teardown, donc le simulateur de braquage où on peut exploser tous les décors, etc., etc., et qui se passe dans le western. Et c'est très, très cool. Euh, franchement, encore une fois, si vous, vous cherchez un petit jeu indé, de pas très cher, euh, qui, que tu lances un peu comme ça, euh, tu lances un peu ça comme un démineur et puis en fait, 40 minutes après, tu es en train de calculer ton itinéraire parfait pour exploser tous les trucs dans le bon sens, dans le bon ordre, en deux minutes. Et tu réussis à une seconde de la fin et tu fais genre, putain, yes! Grande, grande satisfaction de finir les niveau euh, sur Teardown. On vous recommande donc, encore une fois, euh, et je crois que ça y est, on a fait le tour de ce numéro 47 de Noscope en 2h48 minutes. Merci à vous, merci Estia pour la régie, merci à Loulou, Matmoat et Shtuka, euh, pour les commentaires, les news, euh, les articles, les tests, tout ce qu'il faut. C'est grâce à vous que Nofraguet est encore en vie après euh, plus de 20 ans d'existence. Euh, merci aux spectateurs d'être toujours là, euh, plus ou moins nombreux dans les commentaires, de répondre aux quiz et tout ça. Ça fait plaisir de répondre en commentaire sur le forum et tout ça et tout ça, sur Discord, de nous proposer plein de trucs et tout. C'est rigolo. De nous tenir au courant, même des fois, de nous envoyer des petites news. Euh, hey, vous avez vu, il y a eu telle mise à jour et tout. C'est trop cool. Continuez comme ouais. ça. Ouais, merci. On vous fait des gros bisous. Euh, et puis euh, à bientôt. Ah, dans 15 jours ou 3 semaines, tu on ne ouais. sait pas pas oh, longtemps pour le numéro 48 et portez vous bien lavez-vous les mains après avoir touché une manette bisous allez salut <laughs> bisous bisous salut, bye, bye. A fellow scientists do you think we should appeal to the alien Us. Turning against us.